Bonjour, donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver et on continue avec les autres. On va donner la parole, ça marche, ça marche. Oui, ça marche. Donc on va donner la parole à nos invités. Juste avant, je voudrais vous faire le même rappel que ce matin à propos des gestes barrières. C'est un événement qui tient du miracle, puisqu'on se retrouve enfin physiquement ensemble. Et pour que ça se poursuive de la meilleure manière possible, je vous demanderai de faire attention, de respecter les distances de sécurité, les réflexes que vous avez, on vous demande de continuer à les appliquer avec vigueur. Deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est la mise à disposition d'un lien, une application qui s'appelle Klaxoon, qui est une application qui vous permet d'interagir avec Guillaume qui est chargé de collecter les notes et de les mettre en forme pour la rédaction des actes du colloque. Et c'est une application qui vous permet également de réagir par rapport à des questions qu'on va vous poser. C'est anonyme, mais ça nous permet d'avoir votre ressenti. Il y a un lien par conférence ou par atelier, et les liens restent ouverts toute la semaine. C'est-à-dire que si vous voulez réagir à chaud, vous pouvez le faire après la conférence, mais si vous voulez prendre le temps de réfléchir et de donner un point de vue un peu plus circonstancié, vous pouvez prendre le temps de le faire puisque le lien reste disponible. Donc je cède la parole au maître de cérémonie et je vous souhaite une bonne conférence. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis, mes chers élèves, c'est un grand honneur d'être aujourd'hui ici parmi vous. Et je voudrais tout d'abord, dans les remerciements, remercier Fouad Laroui et M. Tazi de leur implication et de ce qu'ils vous ont apporté aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est le début seulement. Alors vous verrez à la fin comment ça va se passer. Je ne dévoilerai pas tous les secrets pour le moment. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie de recevoir un chercheur marocain. Alors, je voudrais dire que quand j'ai vu le titre de son intervention, Imhotep, l'Odyssée, d'un jeune Casablancais, je me suis posé la question en me disant Imhotep, oui, je sais, c'est un grec. Et je voulais vous expliquer ce que c'était qu'Imhotep, ça voulait dire celui qui vit en paix. Alors, c'est un personnage historique et emblématique de l'Égypte ancienne, 3000 ans avant notre ère. Il fut un homme aux multiples talents. Et je crois que c'est à ce titre-là que je voudrais présenter M. Professeur Bentires, qui est un éminent chercheur, je dirais en oncologie, qui a quitté, comme un certain nombre d'entre nous, les rues de Casablanca pour aller faire des études. Des études d'abord par la Belgique, vous voyez, c'est la pérégrination d'un chercheur à Liège, où il a fait de la pharmacie. De là, les États-Unis, c'est la Harvard Medical School. Et puis après, il termine à Bâle, comme professeur de chirurgie expérimentale, et la question que j'ai posée à notre collègue, je lui ai dit, comment avez-vous fait de passer de la pharmacologie à la chirurgie expérimentale, moi qui suis un chirurgien de formation, et donc ça a été pour moi une énigme. Alors je crois que c'est cette énigme qui va nous développer, et ne comptez pas avoir des éclaircissements sur la cancérologie, je crois qu'on sera très peu de gens à pouvoir comprendre les recherches en oncologie, et ce qu'on lui a demandé, c'est de décrire le parcours d'un chercheur qui a quitté Casablanca pour arriver à Bâle. Mon cher Mohamed Bentires, merci d'être venu, merci pour votre implication, et je vous cède la parole pour nous raconter un peu cette petite histoire. Merci Gabriel pour cette gentille introduction.
Je voudrais commencer par remercier Fouad Laroui pour la gentille invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous. Ça fait très longtemps que j'ai quitté le Maroc quand j'étais étudiant. Et ce que Fouad m'a demandé, c'est de faire un petit peu de plusieurs choses en même temps. Vous parlez un peu de science, vous parlez un peu de recherche, vous parlez un peu de biographie. Donc j'ai essayé de faire une présentation qui inclut un peu tout ça. Et en même temps, je m'étais posé la question, quelle langue utiliser ? Parce que l'arabe, ça fait depuis que j'avais 18 ans que je ne l'ai pas pratiqué. Alors, j'ai dit, l'anglais, c'est la langue que j'utilise tous les jours pour travailler. Et puis le français, c'est là où j'ai fait mes études quand j'étais en Belgique. Et finalement, j'ai décidé de faire une première, je crois que je n'ai jamais fait ça, c'est de faire une présentation à trois langues. Voilà. Donc on va commencer. Si j'ai le... Voilà, donc pour avancer... Non. Alors, il va falloir de l'aide. Oui, c'est le bouton vert pour passer à la slide suivante. Très bien. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais commencer par une introduction générale pour illustrer la différence entre science et recherche. Puis nous allons voyager tous ensemble vers l'Égypte, l'Égypte ancienne. Et là, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on connaît de l'histoire du cancer. Et puis après ça, je vais partager avec vous quelques points de vue sur comment le futur, le présent et je dirais même le futur de la recherche en oncologie sur le cancer. Et dans la troisième partie, je partagerai avec vous les résultats de deux projets de recherche récents de mon laboratoire. Et je vais faire vraiment une présentation comme je donne aux experts. Elle va être courte, mais pour vous donner une idée d'une présentation pour les experts. Et dans la dernière partie, je vais faire un peu de biographie. Vous savez, c'est un peu difficile de parler de soi, mais Fouad voulait que je parle un peu de parcours, je vais le faire. Et je vous laisserai le soin de poser toutes les questions que vous voulez bien après. Alors, les take-home messages de l'introduction, le message à retenir, c'est que pour commencer la recherche, il faut savoir admettre son ignorance et œuvrer pour diminuer cette ignorance. Ça sera le take-home message de l'introduction. De la partie Égypte jusqu'au futur, le message à retenir, c'est que les développements technologiques ont été et seront clés, fondamentaux, pour les avancées en médecine. Et dans la troisième partie, donc quand je vous parlerai de mon laboratoire, le message à retenir, c'est que le stress est nuisible et que le système immunitaire qu'on a est très important pour nous protéger contre le développement du cancer et la progression du cancer. Et dans la dernière partie de Casablanca, le message à retenir, c'est que les études et la science sont un excellent moteur de mobilité sociale. So let's get started. There is a huge difference between science and research. Science is a corpus of knowledge that we have, and we are sure of it. Of course, we can question it, we can doubt it, but we need to come with a lot of data, a huge amount of data to question science. It takes sometimes 5 years, 10 years, 20 years of research to modify what we know from the textbooks. So we know when we talk about science. Now, that time when we don't know is research, and that's where we ask questions and we doubt. So the key point and starting point for any research is this painting that is in my office, and I look at it every day in Basel. Because it reminds me, the title of this painting, I gave it the title, is Terra Incognita. And the reason
why this is important for research, because it reminds us of the geographers and the map makers of the early modernity. We are talking about 1650, 1700, etc. Because they knew something was there, they don't know what, but they knew that something was there and we can go get it. That's very important. And that's what I call the courage to say, I don't know. Now, of course, in different cultures, they approached questions, the question of I don't know, in different ways. In the Arabic culture, we have so many poems that relate to that. And one of them is the poem from Ilya Abu Mahdi, Lestu Adri. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. Et je vous laisse le choix d'écouter Abd Halim, Abd Luhab qui ont chanté ce très beau poème. Bien sûr, we can also paraphrase another poet, Abu Nawas, who said, قل, the original poem says, قل لمن يدعي في العلم معرفة وفلسفة إن علمت شيئا فقد غابت عنك أشياء. We can paraphrase this by saying, قل لمن يدعي في العلم معرفة إن علمت شيئا فقد غابت عنك أشياء. So this is very important point. Now, when we look at European culture, and this was nicely illustrated in the book from the book Sapiens from Noah Harari, in which he describes the evolution of the world maps. If you look during the Middle Age and the early times, there were so many details on this world map. And the reason for that, because during this period, the early times, we were under the illusion that we knew every single thing. Every single place on Earth was known. That's why the maps were so full. Now, when there was a turning point in 1492, that's when Christopher Columbus sailed from Spain, sailed west, because he was looking for a route to reach Asia. And Christopher Columbus had this kind of maps. He was a man of middle age. He was convinced that all what needs to be known is already known. And therefore, when he reached the place and screamed, land, 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 he was convinced that he reached Asia. And he called the place the Indies and the inhabitants the Indians. He couldn't realize that there are things that we don't know. Now it took a sailor, a hero. His name is Vespucci Amerigo. Vespucci Amerigo sailed twice and realized that the land that originally Christopher Columbus has identified was an unknown, a new continent. It was not known. But he had the humility and the wisdom to admit his ignorance. Then he wrote two letters. He sent them to scientific societies until a world map maker who actually was in Freiburg in Germany came via Basel, the city where I work, and then went to a small village in Alsace called Saint-Dié-des-Vosges. And this map maker is called Martin Waldseemüller. Martin Waldseemüller was asked to draw the world map. And then, by chance, he read the documents by Vespucci Amerigo, and he was convinced that he was the one who discovered this unknown land. In his honor, he called it America. So it was an error from his side, because it was Christopher Columbus who reached the land first. But he gave, the irony is that he gave the name to Vespucci, the sailor Vespucci Amerigo. And in the same map, there is another area that he didn't know, and he called it Terra Vuida Incognita, which tells us that the mentality started to change and we started to admit ignorance. And if one looks at the
maps, the world maps that follow, you can see that many of them are much less detailed. There are very little details because we started conceptually to understand that there are things that we don't know. And you can imagine the shifts in the way we think. And when we admit our ignorance, we can work, we can spend all the time and energy to understand things better. So this point is fundamental for research. That's why I wanted to spend some time on it. Now we will travel. So fasten your belt. Cancer really invades our lives, all of us. Is it a curse? What causes cancer? Does it come from the outside, from a virus, from the food that we eat, the polluted environment, heredity? Does the enemy come from within? Can we cut it? Can we burn it? Can we poison it? Now, the earliest known description of cancer actually is a description of breast cancer. And it was found in this Egyptian papyrus that recapitulates the teaching of Imhotep. So Imhotep was an architect, an engineer, and a physician. He was polymath. Today, we would call him a Renaissance man. This was in 2500 BC. He gave the disease a name. He called it like a bulging tumor in the breast, so he gave it a name, but he said treatment, there is none. Now, how cancer perception and research evolved over the years? You will see in the different phases that I'm going to describe that each phase of research and understanding was influenced by technological advances. And you are in Polytechnic University, so I'm sure you'll appreciate and understand what I mean. So the first period was the early times, Galen. They thought that cancer was caused by an excess of the black bile. Then phase one, 1855 to 1960, this is with Virchow, who established that cancer is disease of cells. Why is that? That was the invention of the microscope. And Virchow understood that a new cell always comes from another cell. A cell gives rise to another cell. Therefore, a cancer cell must have come from another cell. There is no magic. And therefore, if cancer is a disease of cells, then if we cut it, we can cure it. And that's how surgery started. Phase two, 1970, 1990, and now it's development of molecular biology tools. And you can see here two Nobel Prizes, three brilliant scientists, Bob Weinberg, Harold Varmus, Max Bishop, who understood that cancer is a disease of genes. There are errors within our genes, something happening inside. It's a distorted version of our normal selves. And that's how we started to understand cancer as a disease of genes. It took another scientist back in the 70s, and since then she's still working on that. Her name is Mina Bissell, who in addition said, genes, yes, but the microenvironment, all what surrounds the cells, is also important. Phase three, 1990 until 2012, and we started to understand that it's not single gene, it's not two, it's really a problem of genomes. And this is thanks to the technological developments that allowed us to sequence the entire genome. And there, we started to understand that cancer is a disease of genomes. The next phase is, and then of course now there is the sequencing of many cancers like the Genome Atlas, the Cancer Genome Atlas effort, and many other initiatives. The phase four, and we are still there, we started to see cancer as global disease, as a disease of physiology.
Now, what's about, this was our understanding, what's about the treatment of cancer and of breast cancer in particular? And there, again, you have Imhotep, 2500 BC. He gave the disease the name, but no treatment. And then in history, we don't hear much about cancer and breast cancer until 500 BC. And in the text by the Greek historian Herodot, who describes a Persian queen, her name is Atossa. And apparently Atossa got breast cancer and refused that the physician of the kingdom touches her. And she had a Greek slave who took a sword, and according to the history, he removed her breast with a sword. If this is true, and not just a myth, it would be the first surgery of breast cancer. Then William Halstead, in the United States, 1869, he established what we call radical mastectomy. Then we had to wait 1890 with radiotherapy that started to be developed and used to treat cancer. Again, technological advances. And then around 1950, post-war time, where chemotherapy was used and started to be used actually for treating cancer. Here it's the molecule paclitaxel, one of the widely used chemotherapies. But what was typical for treatments over that time is that was mass medicine-like treatment. One size fits all. Give radiotherapy to everyone, give chemo to everyone. But with time, we got to learn that cancer is a heterogeneous disease, and we need to be more precise and more to develop more targeted therapies. We had to wait until 1970 for the approval of tamoxifen, you see here on the left, and 1992 for the approval of actually humanized monoclonal antibody called Herceptin for the treatment of HER2-positive, one subtype of breast cancer. And this is Barbara Wakefield, is one of the first ladies who participated in the trial. She's still alive thanks to this treatment. Where we are today, well, we are in the era of precision medicine, where in-depth molecular characterization and precise patient stratification are helping to devise precise treatment. We are still there. It's not developed for all cancers, not all subtypes. This is what the whole world is working on today. Now, with precision medicine, the idea is to identify targets and then to find the medicine and to use the right medicine for the right target. The idea is genius, but unfortunately, when targeted therapy is used as single agent, resistance to therapy can emerge within months and patients die. And the reason for that, because cancer is a moving target. So when you have the moving target, and I'm getting closely now to present and future, well, there are different ways. When you use targeted therapy, you can think of this game, the whack-a-mole, right? When you hit one, and another one comes, and you hit the other one. You can assess the mutation in the genome, identify the target, hit the target with treatment. Now, if another mutation comes, hit it again with another treatment and go with one after the other. One possibility. Another one is once you identify the Achilles heel of the cancer, is to come with combination of therapies. This is what many colleagues, including our lab, have been working on for the last years. What we also learned, and as I told you, is that cancer is a moving target, and therefore these combination therapies needs to be moving. As the cancer evolves, we need to learn more. We need, again, technology to learn as quickly as possible what changes occur in the cancer and come with appropriate therapies or combination of therapies with the less side effects possible. Now, to summarize what we learned over the last
centuries or decades about cancer, because this question comes systematically when I talk about cancer. What did we learn? Well, we learned that one size does not fit all. We need to personalize treatment. That's one. Another point that we learned is that prevention is important, and maybe during the question and answer, I would be happy to answer any question related to prevention, because the prevention, we can get the solution faster than anything else. Early detection, the earliest we detect cancer, the better. Better characterization of the cancer, again, technology will be very helpful for that. We need to decrease over-treatment, because sometimes, unfortunately, we over-treat. Combined therapy targets the tumor cells, but also the surrounding microenvironment, but also anticipate mechanisms of resistance before they occur, like strategy, thinking like a chess game, thinking 4 or 5 steps ahead. We need to develop new algorithms for personalized treatments. And we need to perform a digital monitoring of the patients after we tell them you are cured, because we never know. And again, technology is important there. So much about the future. Now we will reach the part I told you. I'll start as if I'm giving a talk. These are the fantastic PhD students, postdocs, technicians who work in my team over the years. I'm really fortunate to have to interact with these smart people. It has been a fantastic adventure to work with many of those and current lab members. So the thread connecting the research in my lab is tumor heterogeneity. The notion that heterogeneity or diversity increases fitness or productivity is not novel. And like for many important questions in biology, Darwin got there first. Already in The Origin of Species, Darwin discusses experiments showing that diversity can make communities more productive. And it does so by mechanisms of competition and mechanisms of cooperation. Now, like species within an ecosystem, we got to learn that cancer also uses mechanisms of competition between clones of the cancer, but also mechanisms of cooperation. Why are breast tumors heterogeneous? Why do some breast cancer cells form metastasis? And why does resistance to therapy develop? In my lab, we believe that by studying the molecular mechanisms of the cancer, both mechanisms of phenotypic plasticity, cell autonomous mechanism within the cancer cells, the tumor microenvironment mechanism, we can help answer some of the questions I just outlined. And in the last years, we've been developing a personalized breast cancer treatment program. And I will just to give you a few vignettes about real research questions that we are addressing. Now, we work on the breast. The breast is really a masterpiece of evolution. There were mammary glands long before there were any humans on Earth. The mammary gland developed with mammalians around 200 million years ago. Now, just to orient you, the last common grandmother of human and chimpanzees lived around 6 million years ago, right? And only humans have breasts. The chimpanzees, they have mammary gland like the rest of the mammals. Our species, Homo sapiens, evolved around 200,000, 300,000 years ago. And according to one of the publications from 3 or 4 years ago, it seems that one of the earliest known, so far, Homo sapiens lived in Morocco. So when I give this talk in the US, anywhere on the planet, I conclude the news of the day is that we are all Moroccans. So the human breast is composed of a large network of ducts
that traverse the breast, and if we look within the duct, we can see the epithelial cells. There are luminal cells and basal cells that surround them. And these cells are the cells in which the cancer originates. Cancer starts within these cells. Now, there are 2.1 million women that are diagnosed with breast cancer every year. And unfortunately, 600,000 women die from this disease every year. Now, the cancer, as I said, starts within the epithelial cells of the mammary gland, and as long as the cancer is confined within the duct, the disease is manageable. What makes cancer or breast cancer a serious and life-threatening disease is the fact that cancer cells leave the primary tumor, leave the breast, and go in circulation and reach distant organ. They form metastasis. That's what makes breast cancer a serious disease. Now, despite the fact that more than 95% of breast cancer-related death is due to metastasis, we still do not understand this disease at level that would tell us which patient will develop metastasis, which patient will not, and for patients with metastatic disease, how to cure them all. Now, the question for a woman who was treated for breast cancer is my cancer gone? Is it going to come back? And if so, when? This is the worry that women who were treated for breast cancer wake up with. And this worry is the source of sleepless nights. So we have to do something about it. Now, as I told you, breast cancer is a heterogeneous disease, and while this heterogeneity is a source of fitness for cancer cells, it is a hurdle for therapy. And heterogeneity can be from one patient to the other, one breast cancer is different from the other, but also within the same patient, a primary tumor within the breast can be different from the metastasis, and one metastasis can be different from the other, which makes treatment really difficult because they are different. Within the same site, given a metastatic site, let's say the lungs, a cell can be different from the cell next to it. That's the challenge. And depending on this divergence between the lesions, the cancer lesions, may lead to inadequate treatments. So I will tell you about one project from the lab that was led by Milan Obradovic, a former postdoc, and Baptiste Hemelin, a current PhD student. And the question they asked there, let's compare primary tumor and metastasis and learn about the metastasis. And once we know what are the mutations and alteration within the metastasis, we can think about treatments. So by comparing the metastasis and the primary tumor, what they observed is that there was an increased activity of the glucocorticoid receptor. This is the receptor for the stress hormone. Maybe to orient you, upon emotional and physiological stress, the hypothalamus will send signal to the pituitary gland, which will release a hormone that will torque the adrenal gland, and then the adrenal gland will secrete cortisol. So cortisol is glucocorticoid. It takes its name for gluco because one of the effects of cortisol is to mobilize glucose, gluco, cortico because it's produced by the cortex of the adrenal gland, and steroid because of the chemical structure of the molecule. So cortisol binds to the glucocorticoid receptor. Now, Basel has a huge history with cortisol because it was discovered in Basel. It was discovered by Thaddeus Reichstein, who was professor in Basel, and actually before working on cortisol, he was the one who isolated the molecules responsible for the aroma of coffee. So Switzerland had a long history with coffee way before Nespresso and all of that. Then he isolated cortisol, and he got Nobel Prize with two other colleagues around 1950. Now, as I told you, cortisol binds to this receptor, and then it has two major functions. One, like any stress, you need to mobilize glucose,
And second one, it blocks inflammation. You don't need inflammation when you are attacked by a lion. If a lion attacks you, you need glucose so that you can run. You don't need immune system. So too much stress increases your glucose level in blood and then decreases your immune defense. So, of course, there are synthetic derivatives of cortisol, like dexamethasone, that are used in the clinic. And what we discovered is that stress hormone pathway increases metastasis in a specific subtype of breast cancer, that activation of this pathway can even interfere with chemotherapy in this specific breast cancer, and this work calls for caution when administering corticosteroids to patients. It tells us also that interfering with this pathway may be useful, and it's important to keep in mind that stress management can help patients. So this work was published 2 years ago, and the reference is here if you would like to read the details. So the message is don't stress, take it easy. And again, the Arabic culture gave us a lot of good examples, and the first one that comes to my mind is again Ilya Abu Mahdi when he says, قال السماء كئيبة وتهجم قلت ابتسم يكفي التهجم في السماء. So ابتسم and this will reduce your stress. Okay, the next project that I would like to tell you about is a recent project that was led by Anna Correa and helped by Priska Auf der Mar in the last years. And the question there was, what are the determinants of tumor dormancy, breast tumor dormancy? What I mean by dormancy is once somebody has breast cancer, the surgeon removes the cancer, but then 5, 10, 20, sometimes 30 years later, the patient comes back with the same cancer, but somewhere else, in the lungs, in the liver, in the bone. Why? Because you would think that the surgeon removes the tumor and the treatment did the job. Why 10 years? Why 20 years? The honest answer is we still don't know. And we are working on it. We have some hints. We call this process dormancy because some cells must have disseminated before even the cancer was detected. And they stay dormant in different regions of the body until something happens and they develop. So this is an artistic illustration of what we found. It tells you already that immune cells are important to keep the dormant cells as dormant. But it tells you also that other cell types here, cells that are responsible for fibrosis, that can block the activity of the immune system and reawaken cells. So this work was also published this year, and the reference is here if you would like to go to the specific details. Now this is another artistic representation of the work. As I told you, immune cells can keep the cells dormant, but then when there is fibrosis, this can interfere with the activity of the immune system. The last part that I want to tell you about is our effort on personalized medicine, and this is the area that we do together with surgeons. In Basel, all clinical specimens are used for research. No single breast tissue is lost, so we make use of this tissue to understand the disease better. And when patients, breast cancer patient comes to the hospital, the patient is seen by a variety of doctors, oncologists, radiologists, surgeon, gynecologist, pathologist, and plastic surgeon. Once surgeons collect the sample from the patient, they send them to our lab, and in our lab, we try to make good use of the samples. What you see here are the surgeon taking samples, they give them to the pathologist, the pathologists run to the lab. What you can see here in this video is we grow the cells as little organoids, and then we go with these cells into 384 well plates, and then use a variety of, this is ongoing work, we are using a variety of treatment on the cells to try to identify which treatment will work better in the patient. Of course, you can imagine that this is complex process, and we had to develop the robotic to develop that. This is ongoing work, but the idea is fairly simple.
We get the tumor from the patient. We grow them either as organoid or in mice. We can characterize these tumors. We apply drug screening and use imaging strategies to understand which drug works better. And of course, we come with machine learning approaches to identify which treatment works best. And then we send information back to the clinicians so that they can decide what is good for the patients. This sounds like science fiction. It's somehow yes, but it's ongoing work, and we hope that this can help patients in the future. So this is my team. This is the team during the corona time. Like everywhere, we had to stay with Zoom. There are a lot of funding agencies. Of course, it takes a village to do all this work. A lot of collaborators help us. There are many worldwide who contribute to our research. I don't have time to thank them all. And I would like, in the last minutes, how much time do I have? So then I don't need to rush. I can tell you, go back now to the part on the biography that Fouad and the organizers wanted to hear about. So I was born in Casablanca, as the famous Moroccan song says. I am the pure product of the public school. I'm from that generation that we call la génération arabisante. So I studied every single scientific process in Arabic. I can tell you, la calculatrice, Merkana. Thermomètre, Mihrar. I remember when I moved after the baccalaureate to Paris, I was at the exam and I didn't know what losange was. So the teacher who was checking drew it for me. So I'm from that generation. This is my college, College Badr, where I had really the privilege to meet excellent teachers, not all of them, but some of them, particularly one, professor of Arabic, from this region, from Marrakech region. His name is, if I recall well, Si Mohamed Lemtoub. I have never seen him since then, but he was amazing. He wanted me to become poet, and that's how I learned poetry. I think I frustrated him because I said, you know, if I become poet, it will be hard for me to understand science in the future, whereas if I study science, I can always get to understand a little bit of poetry. Then after college, so I went to le lycée, encore le lycée marocain, donc public, en arabe, le lycée Moulay Driss, et là j'ai eu mon baccalauréat là-bas. Après un passage à Paris, je suis allé en Belgique où j'ai étudié la pharmacie, donc tout en français. C'était un défi incroyable, et au fur et à mesure que j'avançais, quand j'étais assistant à l'université de Liège, quand on recevait les étudiants marocains de ma génération, donc qui ont tout appris en arabe, c'était une catastrophe au niveau de la langue, comme pour moi. Des erreurs monumentales, où l'amphithéâtre se mettait à rire parce qu'on faisait des erreurs. J'ai plein d'anecdotes qu'on ne rentrera pas dans ces détails ici, mais c'était un handicap, mais c'est un handicap qu'on peut, avec certains efforts, surmonter. Donc après là, les études en Belgique, j'ai fait mon doctorat à l'université de Liège, et là-bas j'ai rencontré des professeurs extraordinaires qui ont joué un rôle important. Après le doctorat à Liège, je suis parti à Boston, où j'ai fait mon post-doc, et là-bas c'était aussi, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Parfois, mon épouse me conduisait au campus et je dis « Attention, freine, tu risques de renverser un prix Nobel. » Il y en avait tellement dans le campus de Harvard qu'il fallait se méfier, sinon on allait renverser. Parce qu'on ne peut pas dire, vous savez, les Américains, quand ils s'habillent, ils viennent au cours en blue jeans, parfois en short. Donc après Boston, je suis revenu à Bâle, au Friedrich Miescher Institute, où j'ai travaillé comme junior faculty. J'avais mon premier groupe, et puis après j'ai été nommé à l'université de Bâle comme professeur, et là où je suis pour le moment. Alors, en préparant ça, je me suis dit, mais what's the driving force? Pourquoi? Et vraiment, je ne sais pas, je ne sais toujours pas, mais je me permets quelques spéculations.
Je me suis dit, ça doit être la curiosité, parce que je me sens toujours curieux, j'ai envie de comprendre ce qu'il y a derrière les choses. Et en même temps, j'admets mon ignorance. Quand je ne sais pas, je ne sais pas, et puis j'essaie. Et je me suis dit, d'où vient cette curiosité? Alors peut-être les profs que j'ai eus ont stimulé cette curiosité parce qu'eux-mêmes admettaient leur ignorance. Peut-être la famille, des membres de la famille, certains sont présents ici, qui m'ont proposé des lectures, peut-être. Mais c'est difficile à refaire l'histoire et de comprendre ça. Des biographies, je me rappelle, rappelez-vous, je suis arabisant, donc un des magazines, enfin des magazines, des petits livres que mon frère m'avait offert, c'était Silsilat Najihoun, où c'était des biographies de en allant de Beethoven jusqu'à Al-Mutanabbi, jusqu'à Alexandre le Grand, jusqu'à Pasteur. Et donc peut-être en lisant des biographies, c'était inspirant, peut-être. Un de mes profs au lycée, il attribuait une citation à... Il attribue à Pascal, mais je n'arrive pas à trouver qui a dit cette citation, mais je la trouve belle. Je ne l'ai jamais oubliée depuis les années du lycée. Sur le net, des gens disent que c'est Jean Cocteau, mais je n'en suis pas sûr, c'est pour ça que j'ai laissé le point d'interrogation. La citation dit, et ce prof, nous, le prof de maths qui nous a dit ça, il a dit, en mathématiques, il faut toujours agir d'abord, rectifier s'il y a lieu, reprendre tout à zéro s'il le faut, mais ne jamais rester inactif à la recherche du parfait. Et cette citation ne m'a jamais quitté. Alors il y a une autre citation d'Abu Tayyib al-Mutanabbi, mais je vais la laisser pour vraiment la dernière slide qui va bientôt venir. Alors maintenant, la recherche académique est fantastique. Elle est fantastique pourquoi ? Parce qu'elle remplit tous les critères qui font que les gens aiment bien leur métier. Il y a eu des enquêtes, qu'est-ce qui fait que les gens aiment leur métier? Premier facteur, c'est l'autonomie. Quand on est dans l'académique, on a l'autonomie de travailler sur ce qu'on veut, l'autonomie académique. On a aussi le mastery. On peut apprendre, on apprend en continu, on développe de nouveaux talents. Ça, c'est le deuxième facteur qui fait que les gens aiment leur métier. Le troisième, c'est la connexion. Dans la recherche académique comme dans l'enseignement, on est avec les autres. Et le dernier facteur, c'est le purpose. Pourquoi on fait ça? Tout ça vient, cette enquête dont je parle vient d'un bouquin de Daniel Pink qui s'appelle Drive, si vous voulez savoir plus. Et ce sont ces quatre facteurs que les gens trouvent leur métier extraordinaire ou qu'ils aiment leur métier. Et l'académique permet ça. Ça, ce sont des références par rapport à ce que je vous ai dit pour le cancer. Si vous voulez plus... Il y a une biographie du cancer qui a été faite par Siddhartha Mukherjee et il y a un excellent livre sur le cancer, la biologie du cancer par Bob Weinberg du MIT que je vous recommande. Si vous voulez connaître plus de biographies, alors il y a toute une série de biographies que j'ai faites moi-même en interviewant plusieurs key figures in mammary gland biology and cancer. La référence est là-bas. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine et il y a plus d'une quinzaine que je suis encore en train de faire. C'est des chercheurs du monde entier qui ont contribué vraiment de façon significative à la recherche. Beaucoup sont à la retraite, certains malheureusement sont décédés maintenant, mais vous apprendrez beaucoup sur leur biographie. Donc j'espère qu'aujourd'hui vous avez retenu certains take-home messages. Je vous ai dit que dans l'introduction, le message, c'était de retenir que pour commencer dans la recherche, il faut admettre son ignorance et travailler pour la diminuer. Je vous ai dit aussi que dans l'histoire du cancer et dans le futur du cancer, les développements technologiques sont très importants. Et puis, je vous ai dit qu'il fallait sourire, ça réduire le stress, faire attention à votre système immunitaire. Et enfin, je vous ai aussi raconté le parcours et je vous ai dit que l'éducation et la recherche sont vraiment des moteurs de mobilité sociale. Et la phrase que je voulais vous dire, et ça sera ma dernière note, c'est un bait de Abu Tayyib al-Mutanabbi. Yaqul, ida ghamarta fi sharafin maroumi, fala taqna' bima dounin nujoumi, fata'mu al-mawti fi amrin haqir, kata'mi al-mawti fi amrin azim. With this, I thank you very much for your attention, and I'm happy to take questions.
cher collègue, merci beaucoup pour ce voyage déjà dans le temps. Vous avez éveillé en moi des souvenirs parce que, il y a 5 ans encore, je reconstruisais des seins après cancer. Et donc, ma vie professionnelle, vous l'avez relancée tout d'un coup. Et c'est vrai que le cancer, ben, il n'y a pas de famille qui ne soit pas touchée. Donc, et lorsqu'on voit les statistiques, on se dit oui. Alors, qu'est-ce que je retiens pour les jeunes ? Quand on fait de la recherche, c'est d'abord l'humilité. Voilà ce qu'a dit Monsieur le professeur Bentires. La deuxième qualité, c'est la multidisciplinarité. La troisième qualité, c'est la recherche du savoir. Le savoir, passer sa vie à essayer d'étudier. Alors parfois, on reproche aux gens. Moi, je sais que ma femme qui me voyait même dernièrement en train d'étudier, elle me dit « Mais tu vas pas arrêter ?» Alors sinon, elle m'a dit « Moi, je m'en vais. Hein. T'es toujours... Je ne vois que ton dos », elle me dit. Voilà. Et puis, je dirais l'autonomie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est aussi ce qu'a dit le professeur Bentires sur la langue. Effectivement, nous avons les mêmes problèmes avec un certain nombre d'étudiants et vous voyez qu'il n'y a pas de, barrière. Et quand on veut, on peut sauter ces barrières. Alors, je vais, avant de donner la parole à la salle pour poser des questions, moi je vous poserai une question simplement, si vous pouvez éclairer nos collègues et nos étudiants sur les thérapies personnalisées, la nouvelle stratégie dans le cancer, c'est-à-dire grâce à des réseaux d'oncogénétiques, on en parlait tout à l'heure, à des réseaux d'oncogénétiques, on va pouvoir faire le traitement qu'il faut au moment où il faut. C'est effectivement le... Vous pouvez d'ailleurs poser les questions en anglais, en français, même en arabe, j'essaierai si vous... La question du traitement personnalisé est vraiment la question la plus importante sur laquelle beaucoup de chercheurs travaillent. On s'est rendu compte que différents pays ont pris différentes approches. L'Angleterre a pris une approche, les États-Unis une autre, certains pays européens d'autres. La Suisse a pris une approche que je trouve intéressante, c'est qu'on s'est dit que pour avoir accès aux informations cliniques qui vont nous permettre de faire les études personnalisées, parce qu'on ne peut pas les faire comme ça, il faut d'abord étudier. Ils ont harmonisé, enfin c'est encore en train d'être fait maintenant, c'est d'harmoniser les informations cliniques entre tous les hôpitaux et d'essayer d'avoir une harmonisation à l'échelle internationale. Comme ça, parce que si on écrit toujours, il y en a qui écrivent le poids en kilos, il y en a qui écrivent en grammes, il y en a qui écrivent avec kg, si on donne ça, cette information à l'ordinateur pour que le machine learning nous aide, l'ordinateur il va juste perdre son temps à essayer de déchiffrer tout ça. Donc, première chose, c'est digitalisation de l'information, harmonisation à travers les hôpitaux, ça, d'un côté. En même temps, une caractérisation détaillée des tumeurs avec toutes les technologies qui viennent. Et puis alors, essayer de faire des traitements comme ce que j'ai décrit sur la tumeur quand on peut la faire pousser et puis revenir vers les patients. Ben maintenant, la salle, vous avez la parole. N'ayez pas peur, hein. Parfois, je me suis dit, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, je voulais vous le dire dès le début, on présente des travaux de recherche, mais rassurez-vous, on ne présente que ce qui a marché. Mais 90% ou 90% de ce qu'on fait ou 95% de ce qu'on fait ne marche pas. Donc si vous faites de la recherche et vous you hit the wall, c'est pas grave, c'est nous aussi. Parce que parfois, c'est intimidant pour les étudiants de voir « Oh, mais chez eux, tout marche. » Non, non, chez nous aussi, ça ne marche pas. Et de temps en temps, ça marche et je viens et je vous présente ça. Donc ça, c'est un point vraiment fondamental. Monsieur Bendani. Bonjour. Je vous remercie énormément parce que j'ai beaucoup appris. Et c'est très intéressant. Je voulais vous dire que il fut un temps où la langue arabe était la langue des sciences. Et à ce sujet, je conseille à pas mal de nos étudiants un livre très intéressant dans l'édition Amelif, c'est La médecine arabe, où j'ai fait l'expérience en France de présenter un certain nombre de dessins d'obstétrie où les gens, médecins compris, croyaient que c'était quelque chose de tout à fait récent.
alors que ça datait des siècles 11e, 12e. Le livre était très intéressant et préfacé par le prix Nobel de médecine français, Claude Bernard. Voilà, donc la langue arabe était la langue des sciences et c'était aussi la langue de médecine. Ce que je voulais dire aussi, et quelque chose qui m'a aussi interpellé, c'est que j'étais ébloui par, bien entendu, la profondeur de votre science, mais aussi la générosité de votre culture. Et ma foi, cette générosité venait d'une chose essentielle à mes yeux, c'est tout simplement l'accès aux livres, l'accès à la connaissance, le premier terreau pour pouvoir, en quelque sorte, faire grandir son intelligence. Malheureusement, dans une ville, j'ai été visiter une petite ville qui s'appelle Niort en France, qui fait la moitié de Marrakech. Et dans cette ville, il y a 18 bibliothèques, 4 sites pour le théâtre, 3 conservatoires. À Marrakech, il n'y en a pas. Et je trouve ça désolant. J'ai été choqué en mon retour, il y a 5 ans de France, ne pas trouver justement de bibliothèque et de voir un tout petit peu la profondeur des inepties, y compris émanant de gens soi-disant scientifiques. Et donc, pour moi, cet accès aux livres, il faut absolument le penser. Et bon, pour terminer, j'ai une question. C'est par rapport à ce que j'ai remarqué. Par exemple, en France, les petites recherches en pharmaco qui sont très intéressantes et que je ne vois absolument pas du tout au Maroc, par exemple, c'est cette question, si vous voulez, de faire appel à la physique moléculaire. C'est-à-dire physique moléculaire et un tout petit peu des rudiments de cristallographie. C'est-à-dire qu'on va, en quelque sorte, et ça a permis d'avoir de très très belles idées dans la lutte contre le HIV et aussi pour par exemple certains tumeurs comme tumeurs de cheval. C'est-à-dire que en quelque sorte on va produire quelque chose au niveau moléculaire, par exemple une tumeur qu'on va analyser par radiocristallographie et ensuite on va regarder comment, par exemple, le virus du HIV va s'amarrer sur une molécule, et donc, mais essayer de regarder les choses d'un point de vue énergétique. Bien sûr, tout marche avec le minima, vous voyez. Et c'est quelque chose qui a beaucoup apporté, et que je voulais savoir, est-ce que vous pensez que cette approche-là, où le physicien aussi a un rôle à jouer, est-ce qu'elle a un avenir ou pas? Je vous remercie énormément. Évidemment, se projeter vers l'avenir, c'est jouer au devin. Est-ce que ça a un avenir? Probablement. Est-ce que c'est important? Oui, parce que les industries pharmaceutiques, comme la recherche pour trouver le médicament qui va être vraiment ciblé pour une partie d'une protéine, par exemple, on a besoin finalement de la biologie structurale. C'est une des composantes d'un champ multidisciplinaire qu'on doit développer. Et vraiment, il faut enlever les barrières. La dernière personne que j'ai recrutée dans mon équipe, c'est un physicien. Et je me rappelle que la première semaine, quand il est arrivé au labo, il ne comprenait pas comment fonctionne la transcription de l'ADN en ARN. Mais au bout de 6 mois, il a compris et puis on avance. Je me rappelle aussi d'une médecin que j'avais recrutée au début, elle ne comprenait rien à la biologie moléculaire. Après 6 mois, elle a compris et donc elle apporte son savoir. Voilà, donc pour moi, le take-home message, c'est la multidisciplinarité. Pas que seulement la multidisciplinarité, c'est l'interdisciplinarité. Il faut que les disciplines se croisent et se chevauchent et se mettent en désaccord jusqu'à ce qu'ils trouvent un consensus. Pas juste les mettre l'une à côté de l'autre, ça c'est la multidisciplinarité, il faut l'interdisciplinarité. Oui, pour rebondir
Je voulais vous dire que j'ai visité un laboratoire de recherche, enfin un grand centre de recherche international, et les laboratoires, il n'y avait pas de laboratoire, il n'y avait pas de laboratoire de M. X, de M. Y, de M. Z. C'est un bâtiment, il y avait des bureaux partout et des chercheurs partout, avec des salles où on prenait le café, et puis on se retrouvait, et tout le monde était en train d'échanger sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc c'est ça la recherche, c'est arrêter de voir un peu les silos. Je crois que je reprends les termes qu'avait utilisé notre président, M. Mustapha Terrab, quand il a dit « je veux qu'on abatte les silos ». Et je crois que notre université essaye de faire actuellement, il faut qu'on change les mentalités pour qu'il n'y ait plus de silos, qu'il n'y ait plus d'État dans l'État. Question ? Oui. Monsieur Benchouf. Bonjour. Allez-y. Oui. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour ce webinaire très enrichissant en termes d'informations. Bon, j'ai deux questions. Donc, est-ce que tous les types de cancers sont guérissables ou bien juste quelques-uns? Et est-ce qu'il y a des traitements alternatifs, par exemple des traitements biologiques qui peuvent être remplacés les traitements chimiques? Et merci. Alors, est-ce que, encore une fois, vous me demandez de jouer au devin? C'est très difficile. Est-ce que tous les cancers sont guérissables? Je pars du principe que si on comprend les lois de la chimie, de la physique, de la biologie, on peut comprendre le monde. On ne peut peut-être pas les éliminer, on peut apprendre à vivre avec, ce qui serait déjà très bien, on le fait déjà. J'ai l'espoir qu'un jour on puisse parler du cancer en le conjuguant au passé. Donc ça, c'est plus un espoir, mais le temps nous dira. En tout cas, on apprend de plus en plus, comme vous avez vu quand j'ai parlé des différentes phases, on sait bien plus, on soigne mieux les gens, donc il y a de l'espoir, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que des formes biologiques, bien sûr, il y a des champs entiers, des départements entiers, des industries pharmaceutiques et des labos qui travaillent sur les traitements qui utiliseraient les thérapies cellulaires, par exemple. Bien sûr, des matériaux biologiques, les anticorps, tout ça, oui. Tout ça, c'est en cours de développement, absolument. Bonjour. Je ne vous vois pas. Oui, à gauche. Est-ce que je peux poser la question en anglais? Oui, yes, you can ask. I read on an article that elephants, for example, even though they have many more cells, they're not as prone to cancer as us humans. So I was hoping if you could enlighten me on that, why elephants are not as prone as us humans to cancer. It's called the Peto's effect. It's you know, because people thought that if you have more cells, given that cancer mutations arise with cell division, and they thought, okay, maybe the elephant or the whales, they have many, many more cells, right? Why they don't form cancer? Because they had to divide many times to form an elephant or a whale. And the answer is that we still don't know. We still don't know. Thank you. Oui, merci pour votre magnifique conférence. En septembre dernier, j'étais aux journées annuelles de la médecine fœtale à Marseille, et un des néphrologues, finalement, mettait en exercice ce que vous avez souhaité et demandé, c'est le transfert d'une connaissance établie dans un domaine et qui finalement va se retrouver très féconde dans un autre domaine. C'est ce que vous avez appelé à l'instant l'interaction. Alors il s'agissait de la molécule que vous connaissez très bien, utilisée en cancer, la plésibine, lui en tant que néphrologue a vu arriver des gens en insuffisance rénale, mais en raison d'une maladie génétique qui fait qu'il y a une prolifération des organes, et il a donné, et des tissus, et il a donné la plésibine qui permet de réduire la prolifération des cellules, qui est l'élément indicatif du cancer, et il l'a adapté précisément à la prolifération des tissus et des organes avec des résultats époustouflants. Et il s'est retrouvé maintenant, finalement, quelqu'un qui soigne
qui soigne, qui soulage au maximum cette prolifération des organes due à des déformations génétiques à partir d'un tout autre domaine, son propre domaine, la néphrologie, et à partir de cette molécule. Alors, est-ce que, c'était une remarque, et ma question, c'est est-ce que dans votre carrière, vous avez assisté à ces fécondités qui se révèlent dans un domaine autre que celui initialement pour lequel telle molécule ou telle recherche avait été initiée? Oui, un des exemples type, d'ailleurs on a travaillé dessus dans l'un des le premier article que j'ai mentionné, on a même utilisé cette molécule, c'est une molécule qui s'appelle la mifepristone. C'est une molécule qui a été développée en fait pour la contraception, d'ailleurs en pharmacie on l'appelle la pilule du lendemain, parce qu'il faut l'utiliser très vite pour qu'elle agisse. Et cette molécule-là, la mifepristone, qui bloque le récepteur à la progestérone, une autre hormone, s'avère aussi de bloquer le récepteur de glucocorticoïdes, donc le récepteur de l'hormone de stress. Et on l'a utilisé dans un autre domaine. Et donc voilà, donc on part sur ça pour essayer de faire mieux en termes de traitement. Des exemples comme ça, en effet, existent. Et il faut décloisonner le plus possible. Et pour ça, il faut communiquer. Il faut communiquer beaucoup et entre les différentes disciplines. Je suis 100% d'accord avec vous. Bien. Allez, dernière question. Ah, bonjour. J'ai juste une question à propos des technologies, de la partie technologique. On sait que dans certains labos de la nanotechnologie, il y a des devices qui ont la capacité d'être introduit dans le corps humain. Je ne sais pas, est-ce que vous avez ces technologies-là, est-ce qu'ils sont utilisés dans le domaine pharma, ou bien est-ce qu'ils sont toujours dans la partie, dans les labos de l'électronique, on dirait? Certains de, même des caméras comme ça sont utilisées déjà dans certains hôpitaux pour voir ce qui se passe dans le système digestif, où on prend comme on prend une pilule et ça va filmer ce qui se passe. C'est pas tous les hôpitaux partout dans le monde, évidemment, mais ce type de technologies sont utiles, et plus on développe ce type de technologies et les appliquer en termes d'oncologie, ça peut aussi se faire. Absolument, c'est encore un autre domaine qu'il faut continuer à intégrer. C'est déjà intégré dans les meetings internationaux, il y a des gens qui font de la nano, mais pas suffisamment, parce qu'il faut décloisonner encore plus et tester. Parce que finalement, le test, est-ce que ça marche, est-ce que ça apporte, est-ce que ça nous fait avancer? Absolument. Déjà, pour comprendre les choses, il y a déjà des pilules qu'on a pour la cancérologie digestive. Il suffit d'avoir une pilule et après, on suit le trajet et on peut voir s'il y a une tumeur au niveau du côlon, au niveau de l'intestin grêle, etc. Donc, ça existe déjà. Bien, je voudrais tout d'abord remercier mon collègue, le professeur Bentires, pour ces éclaircissements. Je pense qu'on pourrait passer des journées entières à parler de cancérologie et de cancer. Je voudrais que vous l'applaudissiez d'abord. Merci beaucoup, en espérant vous revoir dans notre université très rapidement, hein, et de développer une collaboration avec vous, avec notre équipe de santé de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Et je tiens à vous remercier aussi à tous les participants de cette conférence, et espérons vous voir beaucoup plus nombreux encore les prochaines fois. Merci et bon après-midi. Ah. Oui, encore merci à tout le monde. Merci Gabriel pour cette excellente animation. Merci mon cher ami. Je tiens encore à dire une chose, c'est que l'une des raisons pour lesquelles j'avais tenu à ce que le professeur Bentires vienne ici, c'est pour vous inspirer, pour vous dire que réellement rien n'est impossible quand on a du talent et une force de travail, la curiosité, comme tu l'as si bien dit, et que vous qui êtes ici aujourd'hui, peut-être dans quelques années, vous serez comme le professeur Bentires, une sommité dans un domaine médical de pointe, dans un pays extrêmement exigeant sur la qualité de ses chercheurs et de ses professeurs, qui est la Confédération helvétique, la Suisse. Voilà, donc
je tenais quand même à remercier les deux personnes qui sont sur le plateau, puisque les deux, aussi bien le professeur Malka que le professeur Bentires, sont réellement des exemples à suivre. Merci beaucoup. Merci. Alors, s'il vous plaît, merci encore à tous. Je vous rappelle, si vous voulez aller sur Klaxoon, je pense qu'on va lancer l'écran avec le lien, si vous voulez réagir par rapport à cette conférence. Et je voudrais aussi vous inviter de manière un peu plus solennelle, parce qu'à 19h, le président Tarab sera là, et je compte sur vous pour être présent, et pour ramener vos collègues, et pour lui faire un accueil comme il se doit, parce que c'est important. Comme je vous l'ai dit, on est dans cette phase miraculeuse, et on veut que M. Tarab parte avec l'image la plus positive de cet événement. Donc merci d'être là et de ramener vos copains. Est-ce qu'on peut lancer l'écran Klaxoon, s'il vous plaît, juste pour le lien ? Klaxoon, tutut. Voilà, donc c'est klaxoon.com avec ce code qui reste valable. En fait, au fur et à mesure, à chaque conférence, on fait un nouveau lien, mais les liens restent valables pour que vous puissiez intervenir à votre guise et enrichir la qualité de la programmation. Merci à tous, à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, rebonjour. Alors, on va recommencer, on va continuer plutôt sur notre lancée. J'espère que vous avez apprécié l'intervention précédente, pour ceux qui étaient là. On continue avec M. Ahmed Jabbar, et c'est M. Ratnani qui va assurer la conférence et la modération. Comme vous le savez, M. Jabbar n'est pas là, il est en ligne, et vous allez pouvoir poser vos questions en ligne, justement, pour qu'on puisse les agréger et les lui communiquer. Et je donne la parole à M. Ahmed Ratnani. Merci beaucoup, c'est ça. Donc, bonsoir tout le monde, ou bonjour, je ne sais pas quelle heure on est. Alors, on commence à quand, maintenant? Il est connecté, Serge? Il est connecté. Est-ce que je vois juste un code? Vous commencez à être familier avec l'application Klaxoon. Donc c'était le lien pour pouvoir à la fois suivre les questions et participer. Et là, donc, on a M. Jabbar en ligne. Donc vous notez l'application et le code, s'il vous plaît, puisqu'on passe à l'écran suivant. Merci beaucoup, c'est ça. Donc je m'étonnais de voir juste un code, donc heureusement. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette séance qui va être sous le thème des grandes orientations des mathématiques arabes du 8e au 15e siècle, fait par une grosse pointure, en fait, c'est Ahmed Jabbar, professeur émérite à l'Université de Lille, et qui a notamment sorti plusieurs ouvrages, dont notamment un sur ce thème-là, mais il s'est arrêté, je pense, au XIIe siècle dans ce livre-là. Aujourd'hui, on va pouvoir aller jusqu'au XVe siècle. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir, monsieur Ahmed Jabbar, professeur Ahmed Jabbar. La parole est à vous. Et pour nos invités ici, n'hésitez pas à scanner le code et puis poser vos questions sur l'application Klaxoon, et puis élisez aussi les questions que vous voulez, pour lesquelles vous voulez avoir des réponses. Merci beaucoup. À vous la parole. Alors, je dispose de combien de minutes ? 45. 45 minutes. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Je vais essayer de faire une conférence un peu résumée, évidemment par manque de temps. Et puis, les amis qui sont sur place et puis ceux qui sont en visioconférence pourront éventuellement élargir considérablement leurs connaissances sur les grandes orientations des mathématiques arabes. Alors,
Lorsque les chercheurs parlent de mathématiques arabes, il s'agit de toutes les activités mathématiques, théoriques ou appliquées, qui ont été écrites en grande partie, en très grande partie, en langue arabe, même si il y aura, à partir d'un certain moment dans l'histoire de la civilisation de l'islam, eh bien, des initiatives qui vont permettre de créer des traditions mathématiques qui vont s'exprimer cette fois-ci, soit en persan, soit en hébreu, en andalous, soit en berbère, au Maghreb, plus tardivement. Mais disons que l'essentiel des activités de recherche sur les mathématiques, à partir de la fin du 8e siècle, début du 9e, jusqu'au 15e, 16e siècle, vont s'exprimer dans les publications en langue arabe. Voilà pourquoi nous mettons le qualificatif arabe. Alors, je vais dire quelques mots sur l'espace des activités mathématiques en arabe. De la fin du 8e siècle jusqu'au début du 19e siècle. Nous avons en fait un problème de sources qui ne correspondent pas, les sources ne correspondent pas à l'espace dans lequel eh bien, la civilisation de l'islam va naître et va se développer. Alors regardez cette carte. Vous avez tout ce qui est en vert clair, en vert foncé, disons l'espace actuel où l'on considère que soit la majorité, soit la totalité, soit la majorité, soit une grande partie de la population est de confession musulmane ou, disons d'une manière plus large, de culture musulmane. Mais pour l'histoire des activités scientifiques et les activités philosophiques aussi qui sont liées aux premières, eh bien, nous avons des zones d'ombre que la recherche n'a pas réellement touchées et donc sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de choses à raconter et parfois pas du tout. En particulier, regardez cette région que j'ai mise entourée en rouge, c'est toute la région de l'Afrique de l'Est qui a une composante musulmane très importante, qui a eu un rôle très très important sur le plan de la diffusion de l'islam et surtout du développement des activités marchandes en pays d'islam, eh bien, jusqu'à maintenant, en tout cas personnellement, je n'ai eu entre les mains aucun document original qui me permette de dire quelque chose de raisonnable, quelque chose de fiable sur d'éventuelles activités mathématiques dans cette région. La deuxième région, c'est la région de ce qu'on appelle l'islam insulaire, de l'océan Indien, océan Pacifique surtout. Eh bien, c'est l'Indonésie, Ceylan, etc. Je fais absolument la même remarque. Mais je parle uniquement, bien sûr, des pratiques mathématiques et de leur prolongement. Voilà, donc en dehors de ces deux parties rouges, les autres régions qui sont en vert, toutes les couleurs du vert, ont plus ou moins contribué aux activités mathématiques écrites en arabe, puis à partir d'un certain moment, écrites en persan, ou écrites en berbère, ou écrites en hébreu. Alors, la grande aventure des mathématiques dites arabes va commencer à partir d'un très grand événement qui va s'étaler sur tout le 9e siècle et la moitié du 10e siècle, jusqu'au milieu du 10e siècle. C'est le phénomène de récupération, d'appropriation, d'études des héritages mathématiques anciens qui étaient soit produits dans l'espace qui va être contrôlé par les musulmans après les conquêtes, qui vont s'achever en 750, soit qui ont été produites dans des espaces qui vont rester en dehors de l'espace musulman, mais ce sont des espaces qui sont évidemment limitrophes de l'espace musulman, en particulier l'Inde,
la Chine, la Grèce, etc. Donc j'ai mis des bulles ici. Donc à partir de cette période de la fin du 8e siècle, surtout 9e, 10e, l'espace musulman, d'abord le centre de l'Empire, c'est-à-dire le croissant fertile, puis ensuite ça va s'étendre, va devenir le carrefour des mathématiques anciennes. Alors d'où viennent ces mathématiques ? Alors il y a d'abord les héritages internes, c'est-à-dire les mathématiques qui ont été utilisées ou produites dans l'espace qu'on appelle le croissant fertile, auquel il faut ajouter l'Égypte qui va devenir donc qui va être sous contrôle et sous gouvernance musulmane, la Perse, et c'est ce que j'appellerais les héritages internes. Il y a les héritages en haut. Bon, il y a les images qui cachent un peu la bulle. C'est l'héritage chinois. J'en parlerai quelques mots tout à l'heure. Il y a l'héritage, donc il y a l'espace chinois, l'espace sanskrit, c'est-à-dire l'espace où des mathématiques en Inde ont été produites, utilisées en langue, dans la langue savante de l'Inde, qui est le sanskrit. Bien. Mais elles ne vont pas circuler en sanskrit jusqu'à Bagdad, la nouvelle capitale donc, de l'Empire musulman, après Médine et après Damas, et elles vont très vite être traduites soit avant l'islam en persan, soit à partir de la période abbasside, en particulier le règne de Al-Mansour, donc le deuxième calife, elles vont être traduites du sanskrit à l'arabe. Et enfin, le plus gros morceau pour les mathématiques et pour la philosophie, le plus gros morceau, c'est l'héritage grec, et je dirais les héritages grecs, parce que l'espace grec au sens culturel du terme va avoir une très longue histoire, et pour les mathématiques, il y aura différentes phases de développement des mathématiques qu'on appelle mathématiques grecques, au sens où elles vont être écrites en grec, c'est comme pour les mathématiques arabes. Donc voilà grosso modo les héritages. Alors, d'une manière plus détaillée, pour les apports mathématiques locaux, donc il y a le croissant fertile, c'est-à-dire Irak, Syrie, dans le sens ancien, c'est-à-dire Bilad Sham, au sens global du terme, et puis, disons, tout l'espace irakien, et même avec l'extension Mawara al-Nahr, qui va toucher la Perse. Donc il y a la Perse, et puis à l'Égypte. Voici une tablette cunéiforme qui date de au moins 2500 ans, qui contient de la belle mathématique et donc qui a été produite dans le croissant fertile. Alors, quel est le contenu des mathématiques qui vont être récupérées d'une manière donc indirecte, puisque l'écriture cunéiforme, à notre connaissance, n'a pas été comprise par les premiers scientifiques de la civilisation de l'islam, n'a pas été déchiffrée par les historiens et par les hommes de lettres. Et par conséquent, donc, ces mathématiques vont circuler de manière directe, disons, dans le cadre de la formation des métiers, des artisans, etc., etc. Donc, il y a le calcul sexagésimal, c'est-à-dire à base 60, les procédures pré-algébriques. Je ne le dis pas plus parce que sinon je ne finirai jamais ma conférence. Je m'en excuse. Mais si vous posez des questions, je vous préciserai un peu les intitulés que je vais mettre ici rapidement. Il y a la géométrie du mesurage et du découpage. Ce n'est pas de la géométrie théorique, ce sont des techniques, des procédures pour mesurer des grandeurs, des longueurs, des surfaces, des volumes, et pour découper essentiellement donc des surfaces pour des raisons utilitaires. Il y a des algorithmes de résolution de problèmes de transaction. Donc vous voyez que le commerce va être très présent dans les premières activités mathématiques en pays d'islam. Il y a les techniques de répartition des héritages. Alors les héritages, c'est une dimension sociétale très importante dans toutes les civilisations, civilisations païennes ou civilisations monothéistes,
comme donc chez les Juifs, chez les chrétiens. Et ce qui va changer, ce sont évidemment les règles de répartition des héritages d'une civilisation à l'autre, d'une religion à l'autre, et ce sont surtout ce qui va évoluer, ce qui va circuler puis évoluer, ce sont les techniques de répartition de ces héritages. Et ces techniques sont mathématiques. Voilà. Nous allons voir leur nature plus tard. Donc tout cela existait quand même avant l'avènement de l'islam. Il y a aussi les apports mathématiques de l'Inde. Il y a les cercles trigonométriques au pluriel. Les Indiens, donc les savants de l'Inde, faisaient de la belle astronomie en calculant avec des cercles de rayons en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs soucis de simplifier les calculs. Alors, ils prenaient des rayons 60, 120, 150, 3438. Voilà. Donc, pour le moment, nous avons la seule explication, c'est que c'est une explication d'optimisation. Ils veulent faire des mathématiques appliquées à l'astronomie, mais sans trop se compliquer l'existence. Un peu comme tous les matheux jusqu'à aujourd'hui, les matheux cherchent toujours les solutions les plus simples quand c'est possible, bien sûr, et les méthodes les plus simples. Alors, ils ont inventé le sinus, la notion de sinus, la notion de sinus verse, qui est R, qui est le rayon donc, du cercle, R moins R cosinus phi. Et donc, voici, c'est représenté ici par plutôt... Voici le sinus, l'angle, pardon. Le sinus, c'est la droite qui est ici. Le sinus verse, c'est juste ça. Ça va être la flèche. Et puis ici, c'est deux fois le sinus, mais ça, c'est plutôt la tradition grecque, nous en parlons tout à l'heure. Voilà, et ça, c'est donc deux alpha. Donc les Indiens ont eu, pour des raisons pratiques, à choisir. Et donc, ils ont choisi de déterminer les positions des étoiles, par exemple. Imaginez que l'étoile est ici. Eh bien, uniquement par ce segment, alors que les Grecs, eux, vont utiliser ce segment, parce que le type de mathématiques pratiquées par les Indiens, c'est une mathématique algorithmique, alors que les mathématiques pratiquées par les Grecs, en particulier plus tard chez Ptolémée, c'est une mathématique géométrique, essentiellement hypothético-déductive. Voilà, je ne dis pas plus, mais je peux expliciter si vous voulez. Donc voilà, ils ont aussi, les Indiens, sont crédités par tous les historiens des mathématiques, malgré tout ce qu'on continue à raconter dans les ouvrages de vulgarisation dans les pays musulmans et les pays arabes, dans les articles de vulgarisation. Ils ont inventé le système décimal positionnel avec le zéro. Voilà. Que les Européens plus tard, par ignorance, par simple ignorance, vont l'appeler les chiffres arabes. Parce qu'ils les ont découverts dans des textes qui étaient écrits en arabe et qui circulaient en Andalous et au Maghreb. Voici une des anciennes écritures des chiffres indiens, avec, vous remarquerez, le zéro ici, qui est un rond, qui disparaîtra comme rond dans la partie orientale de l'islam, mais qui restera comme un rond, ça c'est très intéressant aussi, du point de vue de la circulation des notions mathématiques, il restera comme un rond en Andalous et au Maghreb. Et c'est précisément, donc voici l'écriture de l'Orient musulman, avec des transformations évidemment en fonction de l'évolution et des pratiques calculatoires, et voici l'écriture du même système, mais au Maghreb et en Andalous, du moins à partir de la fin du Xe siècle, nous avons des traces indiscutables, vers la seconde moitié du Xe siècle, pour dire que l'écriture des chiffres dans l'Occident musulman, c'est celle-ci, et elle diffère de l'écriture des mêmes chiffres indiens. Alors, si j'avais le temps, je ferais tout un cours aux étudiants sur l'évolution de la graphie. Donc, les concepts ne changent pas, les notions ne changent pas, leur utilisation ne change pas. Mais la graphie, le dessin des chiffres, va évoluer de leur naissance en Inde, bien avant l'avènement de l'islam, puis en passant par l'Orient musulman, le croissant fertile, la Perse, le croissant fertile, et en arrivant en Espagne musulmane, en fait dans l'Andalus, c'est plus correct de dire l'Andalus, parce que l'Andalus correspond à une grande partie de l'Espagne d'aujourd'hui, et tout le Portugal, où je suis aujourd'hui, et d'où je vous fais la conférence, parce que je suis même dans la région
qui garde toujours le nom arabe au Portugal jusqu'à aujourd'hui, c'est le Rarb, c'est la province de l'Algarve. Donc je suis dans la province de l'Algarve et j'ai le plaisir quand même de communiquer avec vous au Maroc. L'apport mathématique de la Chine, alors d'après nos connaissances, ce sont souvent des connaissances qui sont provisoires et certaines sont le résultat d'hypothèses qui elles-mêmes sont le résultat d'études comparatives entre ce que nous savons aujourd'hui comme pratique mathématique en Chine, du moins dans la Chine ancienne, excusez-moi, parce que les documents ont été étudiés depuis un siècle, et puis ce que l'on connaît dans certaines pratiques mathématiques arabes, mais qui ont un lien troublant, qui ont un lien parfois direct, visible, et donc les chercheurs ont décidé de les classer comme étant le prolongement d'un héritage chinois. Par exemple, l'algorithme de la division arithmétique. Il y a plusieurs algorithmes de division arithmétique, mais il y en a un qui ressemble à celui qui était utilisé en Chine avant l'avènement de l'islam. Il y a les notations des fractions pour l'Orient musulman, parce que pour l'Occident musulman, les Maghrébins et les Andalousiens, c'est-à-dire les habitants de l'Andalus, eux ont inventé une graphie pour écrire les fractions. C'est la barre de fractions, qui sera tardive, peut-être vers le XIIe siècle, peut-être à Séville, et puis qui a été beaucoup utilisée au Maghreb. Les méthodes d'approximation, il y a les méthodes de fausse position, c'est une méthode arithmétique pour résoudre des problèmes que l'on peut résoudre par l'algèbre lorsque l'algèbre deviendra une discipline opératoire. Mais avant, si vous voulez, dans une période pré-algébrique, il y avait des méthodes, dont celle-ci, qu'on appelle la méthode de fausse position ou la méthode des deux plateaux pour le Maghreb. Donc, c'est Tariqat al-Kaffatayn. Et donc, vous voyez, même aussi dans les appellations, dans la terminologie, malgré que dans tout l'espace musulman, on a pratiqué la même mathématique, mais il y a des spécificités au niveau de la terminologie en particulier, au niveau de la graphie de certains, au niveau de la numération, etc. Le problème des restes, qui est un problème de chinois, spécifiquement chinois, mais que l'on va retrouver dans des textes mathématiques arabes. Le problème d'oiseaux, ce sont des problèmes en fait que l'on pourrait aujourd'hui écrire pour nos étudiants, pour nos élèves de terminale, comme des systèmes d'équations linéaires à plusieurs inconnus et qui, évidemment, n'ont pas de solution unique, mais ce sont des problèmes indéterminés. Et ça existait dans la tradition chinoise. On les appelle problèmes d'oiseaux parce que les problèmes sont arrivés avec des éléments de l'énoncé où on parle de volatiles, etc. Les apports mathématiques grecs. Alors là, c'est vraiment le gros morceau. Il y a l'arithmétique néo-pythagoricienne. Donc l'arithmétique, puisqu'on dit néo-pythagoricien, ça veut dire qu'il y a eu une arithmétique pythagoricienne. Il semble que c'est plutôt la seconde phase de la tradition pythagoricienne, qu'on appelle néo-pythagoricien, qui est très tardive, à partir de la période postérieure donc à l'avènement du Christ, et donc qui va être préservée dans des ouvrages et qui va devenir un chapitre des mathématiques arabes. Et l'un des représentants de cette tradition grecque néo-pythagoricienne, c'est un mathématicien donc de Palestine. On ne sait pas s'il était de Palestinien de souche, si c'était un Grec qui habitait la Palestine, mais donc il s'agit de Nicomaque de Gérase, c'est-à-dire Jéricho. Voilà. Mais pour nous, historiens, ce n'est pas important qu'il soit né dans telle région. Ce qui nous importe, nous, en tant que chercheurs, nous ne faisons pas du nationalisme à bon compte, voilà, ni du régionalisme à bon compte. Nous considérons les traditions mathématiques. Alors ce monsieur qui nous a laissé un livre qui s'appelle « L'introduction arithmétique », voilà, qui a été traduite en arabe plusieurs fois et qui est à la base d'un chapitre sur lequel je pourrais donner quelques détails si nous avons le temps. Eh bien ce monsieur, il a fait des mathématiques grecques. C'est-à-dire qu'il écrivait en grec et il était dans le prolongement des activités grecques. C'est dans ce sens-là qu'on classifie les mathématiciens des différentes civilisations. Voici une page grecque. Alors, je vous ai préparé des documents très rares
que je vous présente. Alors, pour ceux qui ont des iPhones, évidemment, je ne peux pas leur interdire de prendre des photos, mais attention, il ne faut pas que certaines photos qui sont protégées par le copyright, qui appartiennent à de grandes bibliothèques, en particulier en Europe, il ne faut pas qu'elles circulent sur Internet, parce que ces photos sont protégées par les droits des possesseurs de ces manuscrits. Mais moi, je ne risque rien. Moi, je suis un chercheur et j'ai les autorisations pour faire des conférences et présenter, évidemment, les sources pour convaincre les auditeurs qui sont en face de moi. Parce que je vois la salle ici. Évidemment, c'est trop loin, je ne reconnais pas les visages. Voilà. Mais si vous voulez prendre des photos et les utiliser pour vos étudiants, c'est autorisé normalement. Il y a une tradition universitaire qui permet aux chercheurs et puis aux professeurs quand même d'utiliser des documents très rares et qui coûteraient très cher si à chaque fois on devait les commander dans les bibliothèques prestigieuses. Alors, à gauche, je vous mets toujours à gauche les textes authentiques grecs et à droite le texte arabe. Alors, comme je n'ai pas trouvé la copie manuscrite de la traduction arabe, donc je vous ai donné la même page, mais tapée à la machine, parce que je n'ai pas dans ma bibliothèque toujours les copies de manuscrits. J'ai mis 40 ans à rassembler les documents qui m'ont permis d'écrire l'histoire des activités mathématiques du Maghreb et de l'Andalus, du moins une partie de cette histoire, mais je n'ai pas toujours disposé des manuscrits eux-mêmes. Donc j'utilise quoi? J'utilise les éditions critiques qui ont été publiées soit en Orient, soit ailleurs, et qui contiennent les traductions arabes du texte. L'arithmétique euclidienne. Alors, Nicomaque est du 5e siècle, pardon, du 6e siècle après Jésus-Christ. Pythagore du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors là, on avance dans le temps, mais quand même, c'est très, très, très vieux. Euclide, c'est du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et pourtant, tout ce qu'a écrit Euclide va être d'actualité. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte des ruptures dans l'histoire de la pensée humaine, des activités humaines dans le domaine scientifique. Il y a des périodes de grand développement, ensuite des périodes de déclin, des périodes de rupture totale, de silence, si j'ose dire, où les bibliothèques, où les manuscrits sont enfermés dans des bibliothèques, non pas par autorité politique, ça arrive, par autorité politique ou pour des raisons idéologiques ou même religieuses, mais tout simplement parce que la formation de scientifiques a décliné, et donc les manuscrits ne sont plus, leur contenu n'est plus compris par les générations qui vont venir. Et il faut attendre une nouvelle civilisation avec des conditions nouvelles, des facteurs nouveaux, comme on dit, des facteurs objectifs, qui vont relancer l'aventure scientifique humaine, l'aventure universelle. Voilà. Eh bien, la civilisation de l'islam a eu ce grand rôle historique et qui pourtant continue à être nié par quelques écrivains, en particulier dans les pays européens, qui sont très ignorants de la chose, qui ne connaissent même pas leur propre histoire intellectuelle et scientifique, mais pour des raisons idéologiques, on réécrit l'histoire quand on a envie d'argumenter contre la civilisation de l'islam, contre la religion de l'islam, contre l'arabité, contre la culture arabe en général, etc. etc. Bon, nous, chercheurs, nous ne faisons plus attention à tout cela. Et donc, nous continuons à creuser notre sillon et à essayer de diffuser les informations que nous donne la recherche, qui, elle, suit les règles universelles et ne suit pas la mode du discours idéologique. Alors, l'arithmétique euclidienne. Voici une page de la partie arithmétique des éléments d'Euclide, qui sont le livre 7, 8, 9. Voici la même page, traduction en arabe. L'arithmétique diophantienne. Diophante est du 2e siècle après Jésus-Christ. Mais il a apporté quelque chose de nouveau. Il a créé une tradition de théorie des nombres qui est différente des précédentes. Voici une page de l'arithmétique de Diophante. Son livre s'appelle l'arithmétique. Bien. Et voici la traduction de la première page. Donc, traduction en arabe. Et cette page fait partie d'un manuscrit qu'on croyait perdu définitivement depuis le 9e siècle, 10e siècle,
mais on en a retrouvé 4 chapitres dans une bibliothèque d'Iran, à Mashhad. Et le manuscrit existe toujours à Mashhad, d'ailleurs. Voilà. Et donc la partie arabe a été, elle n'est pas complète malheureusement, elle a été éditée par des chercheurs. Si vous voulez des précisions, je vous les donnerai plus tard. Je vais essayer d'aller vite. La géométrie euclidienne, voici le fameux théorème de Pythagore, à gauche en grec, à droite en arabe. Donc ça c'est la géométrie plane, mais il y a aussi la géométrie solide. Voici une page en grec, la même page en arabe. Donc ce sont des preuves de traduction, et puis ensuite évidemment il y aura l'étude critique, etc. La géométrie de la mesure, ça c'est plutôt une géométrie qui est une géométrie toujours théorique, mais qu'on appelle aussi la géométrie archimédienne. Et pourquoi ? Parce que plus tard, on la distinguera de la géométrie euclidienne, qui est la géométrie des constructions à la règle et au compas. Et celle-là, c'est une géométrie dont on ne peut pas construire les résultats à la règle et au compas. Et donc, on l'a appelée la géométrie infinitésimale, ou géométrie archimédienne. Voici à gauche une page donc de la mesure de la sphère, ou du cercle, et à droite, la traduction en arabe. La géométrie des coniques, alors ça, c'est aussi une œuvre très importante, c'est le niveau le plus élevé de la géométrie grecque, c'est l'œuvre d'Apollonius de Perge, qui était aussi du 3e siècle avant Jésus-Christ, et voici une page de son livre, qui est en 8 chapitres, dont le 8e perdu, et qui étudie les courbes du second degré, c'est-à-dire les paraboles, les hyperboles et les ellipses. Et voici la même page en arabe. Et il s'agit de traduction, là. La géométrie de la sphère, qui est une géométrie spécialement conçue pour résoudre les problèmes de l'astronomie. Et comme l'astronomie étudie la sphère céleste, donc les Grecs ont développé une géométrie spécifique aux recherches astronomiques. Alors, il y a les sphériques de Théodose. Voici une page grecque, voici la traduction arabe. Et il y a le deuxième, les sphériques de Ménélaüs. Et là, je ne vous montre pas le texte grec parce qu'il est perdu. Jusqu'à maintenant, nous ne l'avons pas encore retrouvé. Mais heureusement, voici un bel exemple, le livre de Ménélaüs, qui est le livre le plus important de la géométrie de la sphère, heureusement, va être traduit en arabe. Et c'est sa traduction en arabe qui va circuler, puisque l'autre, jusqu'à maintenant, je vous dis, la version originale n'a pas encore été retrouvée. Donc ce rôle de la tradition mathématique arabe, de passeur, de transmetteur, eh bien, il est visible dans ce bel exemple. Trigonométrie de Ptolémée. Alors pour Ptolémée, et même pour les Arabes pendant longtemps, il ne s'agit pas d'une discipline nouvelle, ça va devenir un chapitre chez les mathématiciens de l'islam, mais c'est de la géométrie de la sphère. Mais une géométrie uniquement du triangle sphérique, c'est-à-dire vraiment d'une figure donnée, parce que ce triangle sphérique, bien, il va être utilisé comme un instrument magique lorsqu'on aura résolu beaucoup de problèmes difficiles pour les astronomes. Alors, on l'appelle aussi la trigonométrie de la corde de l'angle double, c'est-à-dire que les Grecs s'intéressaient beaucoup plus à deux fois sinus alpha que à sinus alpha comme les Indiens. Donc il fallait qu'ils calculent deux sinus alpha avec leur figure que je vous ai montrée. Ensuite, ils divisent par deux pour retrouver les valeurs qu'ils utilisent dans leur calcul. Alors voici une table de Ptolémée et voici la table correspondante ou semblable en arabe. Alors je vais aller vite. Alors quelles sont les activités mathématiques arabes après la phase de traduction ? Il y a les grandes orientations. Retenez au moins ça. Juxtaposition, puis synthèse des méthodes anciennes, grecques, indiennes, mésopotamiennes, etc. Donc on va les mettre ensemble parce qu'elles arrivent, si vous voulez, la marchandise arrive de tous les coins du monde, en pays d'islam au début, puisque ça va être le pôle de consommation des marchandises. Eh bien c'est la même chose pour les sciences. La production scientifique d'avant l'islam va commencer à arriver parce que les premiers savants de l'islam avaient besoin de cela. Et donc ça va arriver de tous les coins. Et ça va faire, donc, au départ, ils juxtaposent, parce qu'au départ, ils ne font pas la différence entre ce qui est plus performant de ce qui est moins performant.
diffusion des savoirs mathématiques anciens par l'enseignement, commentaires critiques dès le 9e siècle, rédaction de manuels et d'ouvrages spécialisés. Alors, vous voyez, ce sont des chapitres entiers que l'on doit enseigner normalement à nos étudiants ou bien à nos élèves si on veut qu'ils connaissent de manière objective le patrimoine scientifique des pays d'islam. Malheureusement, ce n'est pas enseigné. Prolongement des recherches grecques et indiennes et nouveaux thèmes de recherche. Là, je vous donne juste le squelette, vous voyez, puis on va détailler rapidement tout à l'heure. Voici donc une image d'une page de mathématiques, plutôt de géométrie, pour résoudre des problèmes d'optique. Et donc, c'est une géométrie théorique, mais au service de la physique. Et voici une page aussi de mathématiques théoriques, mais pour au départ résoudre des problèmes liés à la linguistique arabe. Je ne dirai pas plus, par manque de temps. Le deuxième manuscrit est une copie unique au monde. Elle est à Rabat, à la Bibliothèque nationale. Alors, voici rapidement, uniquement par des petits logos, les domaines dans lesquels les mathématiques des pays d'islam vont innover et vont se développer. La géométrie, l'algèbre, la combinatoire, la théorie des nombres et la science du calcul, comme domaine théorique d'abord, puis ensuite il y a les applications. Les mathématiques appliquées, calcul transactionnel des marchands, science des héritages, voici une application des mathématiques, d'une partie des mathématiques, au droit musulman. Les carrés magiques, voici une application de quelque chose de théorique qui a demandé à des chercheurs d'obtenir des résultats théoriques très difficiles, mais qui vont être utilisés en astrologie. Et voici l'art géométrique, c'est-à-dire c'est de la géométrie, à deux dimensions, à trois dimensions, mais qui va être orienté vers le développement de l'art non figuratif, l'art basé uniquement sur les figures géométriques. Et voici la géographie mathématique. En plus de la géographie humaine, il y a une géographie mathématique qui va utiliser l'astronomie. D'ailleurs, ce sont les astronomes, les premiers astronomes des pays d'islam qui vont développer les premiers résultats et qui va utiliser les mathématiques, la trigonométrie, essentiellement l'arithmétique, le calcul, pour faire des calculs, en particulier latitude, longitude, etc. Et voici l'optique géométrique. Et tout cela est étroitement lié, non seulement aux mathématiques anciennes, mais au développement des mathématiques, lorsqu'il sera nécessaire de développer des outils pour répondre aux besoins des domaines appliqués. Les mathématiques au service d'astronomie, voici un exemple donc, de domaine appliqué. Donc là, je vous ai mis quelques instruments, l'astrolabe, bien sûr, le cadran sinus. Là, à droite, c'est plutôt une page des modèles planétaires, donc de la géométrie astronomique, géométrie théorique. Alors, il y a les instruments astronomiques. C'est la civilisation qui, avant l'Europe du XVIIIe siècle, va développer le plus les instruments astronomiques pour essayer de résoudre les problèmes qui se posaient dans l'étude du ciel, de la sphère céleste et des événements du ciel. Les modèles planétaires, donc c'est la tentative qui prolonge les tentatives grecques de modéliser le ciel et les événements du ciel pour que ces événements deviennent compréhensibles et puissent donner des outils pour prédire l'avenir des événements célestes. L'astrologie, donc là c'est une science qui n'est pas une science pour nous aujourd'hui, mais c'était considéré comme étant une science dans la mesure où elle applique les résultats tout à fait scientifiques de l'astronomie. Et au Maghreb, elle va appliquer plutôt les résultats des mathématiques de l'arithmétique. La trigonométrie. Alors, voici rapidement quelques contributions originales. Résultats nouveaux en géométrie, en théorie des nombres, en astronomie mathématique, en sciences du calcul. Réflexion nouvelle sur les outils utilisés dans les démonstrations. Discussion sur les fondements des mathématiques. Développement de chapitres nouveaux en théorie des nombres, en analyse combinatoire. Naissance et développement de disciplines nouvelles.
même si on ne leur donne pas toujours un nom. La trigonométrie, on ne lui a pas donné de nom. La science du temps, on lui a donné un nom. C'est Ilm al-Miqat et l'algèbre. Voici un... Excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Je parle, je fais une conférence. Pardon ? Toutes mes excuses pour les auditeurs. J'ai été interrompu par la toux, mais j'ai été interrompu aussi par mon petit-fils qui me pose une question sur le déroulement de la journée d'aujourd'hui. Alors, à partir de tous ces développements, j'ai quand même une remarque à faire. Vous voyez là tous les éléments nouveaux qui vont prolonger les savoirs pré-islamiques en mathématiques et dans les domaines appliqués comme l'optique, comme l'astronomie en particulier. Eh bien, toutes ces activités vont se dérouler entre le 9e siècle, dans leur phase de création, d'innovation, du 9e siècle jusqu'au 15e siècle, c'est-à-dire pendant une longue période de l'histoire de l'humanité où les chercheurs des pays d'islam vont être à la pointe de ces activités. C'est-à-dire que, si vous me posez la question, mais que faisaient à ce moment-là les Chinois, les Indiens, les Européens, etc., eh bien, il y en a qui continuent à faire des mathématiques anciennes, comme la Chine et l'Inde, et puis il y en a qui attendaient, qui n'étaient pas dans une phase qui leur permettait de prendre le relais, comme l'Europe en particulier, voilà, et comme d'autres pays d'Asie. C'est une remarque très très importante pour mieux évaluer et estimer sur le plan historique le rôle de la civilisation de l'islam dans le développement des activités intellectuelles de manière générale et des activités scientifiques et technologiques de manière particulière. À partir de là, évidemment, ces mathématiques produites en pays d'islam vont circuler, mais pas avec la volonté des mathématiciens eux-mêmes ou des hommes politiques. C'est une circulation qui va répondre à des demandes précisément de citoyens d'autres cultures qui sont les voisins de l'espace musulman. Et parmi les passeurs de ces savoirs, eh bien, il va y avoir des passeurs chrétiens, des passeurs juifs, mais il y aura très rarement un passeur musulman parce qu'il considérait qu'en dehors de l'espace musulman, eh bien, il n'y avait pas de demande pressante, il n'y avait pas de raison pour aller exporter la science vers ces pays. Alors, donc, les mathématiques des pays d'islam vont circuler en Inde, je ne pourrais pas dire plus par manque de temps, en Chine, là j'ai toute une conférence sur la circulation des mathématiques et de l'astronomie en Chine, au Sahel africain. Alors là, c'est très intéressant, c'est la seule exception d'un espace qui va devenir musulman, c'est-à-dire une islamisation sans conquête, comme dans les régions de l'Afrique de l'Est et comme dans l'islam insulaire, donc du Pacifique, mais c'est la seule région où, sans conquête, uniquement par le rôle du prosélytisme pacifique des marchands, en particulier des marchands musulmans du Maghreb, d'écoles ibadites, les ibadites, qui vont jouer un rôle très important et qui sont donc essentiellement des berbères. Donc ce sont des berbères ibadites qui vont être le relais important vers le Sahel. Et puis évidemment, le gros morceau, c'est l'Europe. La circulation de la production mathématique produite en arabe ou même produite en grec, mais traduite déjà en arabe entre le 9e et le 10e siècle, qui va circuler en Europe. Alors, je vais presque finir. Il y a d'abord les traducteurs qui vont être les passeurs. Voici un livre de Maurice Steinschneider qui donne la liste de tout ce qui a été traduit de l'arabe au latin et en hébreu. Alors, tout ce qui va arriver en Europe va être traduit exclusivement à partir de l'arabe, des ouvrages écrits en arabe. Même si, comme je vous l'ai dit, il y a eu des ouvrages qui ont été écrits en persan,
qui ont été écrits en berbère, mais tardivement d'ailleurs. Alors, il y a 124 traducteurs différents, répertoriés par Maurice Steinschneider. Voici quelques-uns. Alors, pour ceux qui sont curieux et qui voudraient garder toutes les informations que je donne dans cette conférence, je vous promets, avec l'aide de mes amis, les organisateurs de ce colloque, de vous envoyer une version PDF de ma conférence. Comme ça, vous aurez toutes les traces. Et puis, évidemment, à la fin, je vous donnerai mon adresse mail. Vous pouvez me contacter directement si vous voulez avoir d'autres précisions, d'autres informations. Alors, les mathématiques arabes en Europe. Géométrie théorique. Voici les livres qui ont été traduits, que l'on connaît aujourd'hui, traduits de l'arabe au latin. La géométrie appliquée. Alors, je vous dis juste simplement que Nairizi, Banu Moussa, Ibn Daya viennent d'Orient. Ibn Samh, Jayani sont des mathématiciens de l'Andalus. Géométrie appliquée. Al-Baghdadi vient d'Orient, évidemment, ce n'est pas lui qui s'est déplacé, son livre vient d'Orient, mais Abu Bakr et Abdelrahman sont des mathématiciens qui sont vraisemblablement de l'Andalus. Voici une thèse faite par un de mes doctorants, Marc Moyan, qui a travaillé précisément sur la circulation de la géométrie de la mesure dans la tradition latine, en Europe. L'algèbre. Alors, bizarrement, mais ça, nous avons des explications, bien sûr. Il n'y a que trois livres importants d'algèbre qui vont circuler de l'espace musulman vers l'espace européen. Al-Khawarizmi, l'abrégé en algèbre, Al-Mukhtasar fil Jabr wal-Muqabala. Voici une copie latine, parce qu'il y a plusieurs copies, plusieurs traductions en latin. Abu Kamil, le livre complet en algèbre. Khawarizmi est du 9e siècle, Abu Kamil du 10e. Le livre complet en algèbre a été traduit en latin et en hébreu. Voici la version latine, enfin du moins l'article du professeur Cesiano de Genève. Et puis, il y a aussi des travaux de mathématiciens anonymes, les premiers mathématiciens de l'Europe, leur nom ne nous est pas parvenu, mais certains ouvrages nous sont parvenus. Voici par exemple un exemple qui est un livre très important, qui, regardez, même le titre contient un mot en arabe. Le liber en latin, ça veut dire le livre, mais mahamelet n'est pas un mot latin. C'est un mot arabe, c'est al-mu'amalat, yani kitab al-mu'amalat. Donc, c'est des mathématiques transactionnelles. Eh bien, ce livre, c'est un très gros livre qui a été édité, l'édition la plus importante, c'est celle du professeur Cesiano, en français. Et il y a l'édition critique et puis il y a les commentaires. La science du calcul. Al-Khawarizmi, livre sur le calcul indien. La version arabe ne nous est pas parvenu jusqu'à maintenant. Nous ne connaissons ce livre qu'à travers la traduction, certaines traductions latines, parce qu'il y a eu plusieurs traductions latines. La voici. Voici l'étude du professeur Allard. Alors, ces deux-là sont des Maghrébins ou Andalous. Al-Hassar est de Séville et il a vécu au Maghreb. Ibn al-Banna est de Marrakech, donc il est du Maghreb extrême. Donc, c'est le plus grand mathématicien du 14e siècle. 13e, 14e. Il est connu pour l'abrégé des opérations du calcul, mais il a écrit d'autres livres. La trigonométrie, comme nouvel outil pour l'astronomie, vous voyez, il y a Thabit ibn Qurra d'Orient, Ibn Sina, c'est le grand philosophe, mais qui, dans son livre de philosophie, Kitab Shifa, a réservé des chapitres entiers aux mathématiques, en particulier à la théorie des nombres, à la géométrie d'Euclide et à la trigonométrie, à travers le résumé qu'il a fait du livre de Ptolémée, donc de l'Almageste. Al-Jayani est un Andalou, Jaber ibn Aflah est un Andalou, et l'anonyme recueille des règles de l'astronomie. Nous ne savons pas si c'est un livre d'Orient ou un livre d'Al-Andalus. Écrit mathématique et astronomique arabe, je terminerai sur la circulation donc des mathématiques dites arabes vers justement cette région qui est très particulière, c'est pour ça que je voulais terminer sur ça, qui est une région donc limitrophe de notre Maghreb, de notre grand Maghreb, et qui va bénéficier justement de cette proximité avec le Maghreb au sens d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire de la Libye jusqu'à l'océan Atlantique, et
et donc de, tout le sud de, qui contient, qui, évidemment, qui comprend le Mali, le Tchad, le Sénégal, le Niger, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, etc. Alors, j'ai publié avec un de mes doctorants, Marc Moyon, un livre, Les sciences arabes en Afrique, où on détaille à travers uniquement les manuscrits que nous avons pu, pardon, les catalogues que nous avons pu consulter, nous avons écrit les premières informations vérifiables, fiables, sur des pratiques mathématiques dans l'Afrique subsaharienne. Cette région, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas été conquise par les armes, mais qui a été islamisée par les marchands avec, grâce à leur prosélytisme pacifique. Alors, nous avons recensé 97 écrits. Pour vous montrer, c'est un exemple très concret de la recherche que nous faisons, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais qui donne des résultats qui sont très intéressants. 41 de ces écrits sont anonymes, c'est-à-dire qu'il y a encore de la recherche pour savoir qui sont les auteurs. On peut le savoir avec de la patience, en respectant les règles de la recherche universitaire et en essayant de faire des études comparatives. Alors, 56 avaient des noms d'auteurs, ont des noms d'auteurs. Alors, 15 de ces auteurs ont une origine non identifiée. Nous n'avons pas réussi. Parfois, uniquement avec le nom, on peut deviner s'il est du Maghreb ou s'il est d'Orient. Ben, à partir de la ville, comme on dit le Morrakouchi, c'est très clair. Comme on dit Télimsani, c'est très clair. Bien. Ou Tounoussi, c'est très clair. Mais sinon, on ne peut pas deviner. Donc, il faut laisser aux générations futures qui seront formées à cette discipline qui est l'histoire des mathématiques de nous donner les réponses que nous, aujourd'hui, nos générations ne peuvent pas donner. Alors, on a recensé 9 manuscrits qui viennent d'Orient. Je n'ai pas le temps de vous dire comment on peut le faire, mais je pourrais vous répondre à vos questions ou alors répondre par écrit. Alors, les ouvrages dont on est sûr qu'ils viennent de l'Andalus et du Maghreb, on en a recensé 32. 5 de l'Andalus. 1 d'Ifriqiya. Ifriqiya, c'est grosso modo la Tunisie actuelle, une partie de l'Algérie jusqu'à Annaba et la Libye actuelle. C'est l'Ifriqiya, c'est l'appellation donnée par les géographes arabes et en particulier au XIVe siècle par Ibn Khaldoun. Le Maghreb central, 6 ouvrages viennent du Maghreb central. Et regardez ce qui est intéressant, puisque je parle à un public donc, du Maghreb extrême, j'utilise l'appellation des chercheurs. Hein. Donc 20, donc vous voyez c'est un nombre très très important, viennent du Maghreb extrême et l'explication est très simple, c'est précisément la proximité géographique du Maghreb central, beaucoup plus que les autres régions, et surtout son rôle de relais beaucoup plus important entre l'Andalus et l'Afrique subsaharienne. Alors, quelques images et puis je finis. Voici, par exemple, un écrit géométrie euclidienne qui est dans une bibliothèque de l'Afrique subsaharienne. C'est de la géométrie théorique, hein, mais on n'a que quelques pages. Et ce sont des commentaires sur les éléments d'Euclide. Voici un livre entier qui a été découvert donc, dans une bibliothèque, la bibliothèque de Ségou, donc au Mali. Et cette bibliothèque, toute la bibliothèque a été transférée à Paris lors de la conquête de cette région par l'armée française de l'époque. Bien. Eh bien, ce manuscrit, il est unique au monde. Il est à la Bibliothèque nationale à Paris. Et j'ai fait l'édition critique de cet ouvrage. Je peux vous envoyer le travail que j'ai fait. Il a été publié en arabe dans la revue Souheil, qui a été dirigé pendant longtemps par mon collègue et ami, le professeur Julio Samso, de Barcelone. Donc, c'est une revue de Barcelone, Souheil. Et donc, c'est de la géométrie du mesurage. C'est un livre qui a été publié au Xe siècle à Cordoue, qui a traversé l'Andalus, qui est passé par le Maghreb extrême, vraisemblablement, et qui a circulé jusque dans le sud, donc en Afrique subsaharienne. Et vous voyez l'écriture, elle est vraiment très belle. C'est une écriture qui est une écriture de Andalo-Maghrébine. Et donc, c'est la bibliothèque de l'Hajj Omar de Ségou. Et donc, la bibliothèque a été récupérée en 1890 et elle a été cataloguée. Et tout le catalogue existe à la Bibliothèque nationale à Paris pour ceux qui sont intéressés par les autres manuscrits. Alors, je terminerai. Voici un livre d'Ibn el-Benel, mathématicien de Marrakech. Donc, c'est un livre d'astronomie
Tarhib al-Shams. Voici un livre d'un mathématicien du Maghreb central. Alors, Ibn al-Banna est du 13e, 14e siècle. Al-Akhdari est plus tardif, du 16e siècle. Il est du Maghreb central, donc de Biskra. Et c'est un livre d'astronomie, Kitab al-Siraj. Et voici un livre de calcul d'Al-Rasmouki. Il est plus tardif, 17e siècle. Il est du Maghreb extrême. Quelques mathématiciens d'Afrique sahélienne. Donc, non seulement les livres ont circulé, mais il y a eu des traditions de pratiques mathématiques au service, d'abord, évidemment, des besoins religieux, c'est-à-dire l'astronomie religieuse, direction de la Mecque, moment des prières, calendrier musulman, donc début et fin du Ramadan. Et tout cela, cette littérature, une partie de cette littérature a circulé, a été écrite en arabe, a été enseignée en arabe. Et puis, il y a eu un phénomène nouveau, c'est que les langues véhiculaires de certaines régions d'Afrique subsaharienne vont réécrire certains ouvrages dans leur langue, comme le Bambara, comme le Swahili, etc. Et ça, pour le moment, c'est un domaine de recherche tout à fait nouveau. Et malheureusement, nous n'avons pas assez de chercheurs pour travailler qui maîtrisent la langue arabe et qui maîtrisent les langues régionales. Voici le Kunati, donc un livre sur l'astronomie. Le Kishnaoui, 17e siècle, donc il est du Nigeria actuel. Il a publié des livres sur les carrés magiques et sur la logique. Voici une page de son livre sur les carrés magiques. Anbuya al-Walati, qui a publié sur l'astronomie, le calcul et la logique. Voici un de ses manuscrits qui est en train d'être étudié actuellement. Et voici ici le titre de son livre. Il y a Babassou, mathématiques des héritages. Il y a Shangeti, mathématiques des héritages. Al-Jalawi, calcul. Al-Arawani, vous voyez, les mathématiques arabes vont continuer à être enseignées, même quand elles vont être dépassées par les mathématiques européennes, jusqu'au XXe siècle, pour vous montrer la force d'une tradition scientifique lorsqu'elle est associée à la force d'une tradition religieuse et culturelle. Je vous remercie de votre attention, en m'excusant auprès du président d'avoir un peu dépassé le temps qui m'a été imparti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Au contraire, ce fut un plaisir. Vous pouvez prendre le ton que vous voulez. C'est gentil. Alors, je suis maintenant à la disposition des auditeurs s'ils ont des questions et si on a encore le temps. Ben, merci beaucoup. Et je suis là. Voilà. Donc, allez-y. Vous avez en dessous mon adresse mail et je peux vous envoyer non seulement des réponses à des questions qui sont difficiles pour moi, parce qu'il y a toujours des questions difficiles qui ont l'air d'être très simples, posées par des simples élèves de terminale ou de première ou des étudiants, mais qui sont vraiment des questions difficiles pour le chercheur, même si c'est un chercheur qui a travaillé, comme moi, pendant 40 ans sur le patrimoine des mathématiques du Maghreb et de l'Andalus. Donc nous sommes très très modestes. Donc si je ne sais pas répondre, vous m'écrivez et je ferai des recherches et je vous dirai quels sont les résultats qui sont peut-être dans mes archives à Paris, quand je rentrerai à Paris. Merci. Alors, beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il y a des questions, donc on va commencer, donc on a un système démocratique pour poser des questions, donc nos chers étudiants l'ont utilisé. Alors la première question, que restait-il aujourd'hui de l'âge d'or scientifique, d'une manière générale, mais plus particulièrement les mathématiques? La question est très simple. À partir du moment où les auditeurs ont compris que j'ai insisté sur le phénomène de circulation de l'espace musulman vers les espaces non musulmans. Alors donc, lorsqu'une civilisation commence à décliner, et quand le déclin se développe et se renforce, eh bien, le caractère universel de l'apport de cette civilisation, comme les mathématiques, la philosophie, eh bien, il va se voir. Pourquoi ? Parce que cette production scientifique, même si elle a été faite dans un contexte religieux ou culturel arabe ou persan ou berbère, eh bien, elle va intéresser les hommes de science des autres espaces culturels. Il n'y a pas de frontières pour les sciences. Il y a les frontières culturelles, il y a les frontières idéologiques, mais voici un bel exemple que je vous ai donné des exemples où les savoirs, eh bien, on ne peut pas dire que ces savoirs sont morts, puisqu'ils vont être récupérés dans une autre civilisation, et donc ils vont être à l'origine du développement des sciences en Europe, en Chine,
en Inde, en astronomie, et même, figurez-vous, que jusqu'au 19e siècle, des ouvrages d'astronomie qui avaient été traduits en chinois vont être traduits en coréen et en japonais, jusqu'au 19e siècle. Et pour vous montrer l'importance du caractère universel de l'apport de la civilisation de l'islam. Et donc on ne peut pas dire que ce savoir est perdu, il a eu de nouvelles vies. Et ces nouvelles vies, ben, sont dans les espaces non musulmans. Mais ce qui compte, c'est que l'humanité profite de ce qu'ont fait les hommes de science de la civilisation de l'islam. C'est le regard du chercheur. Merci beaucoup. Donc, je vais sauter cette question, je vais juste faire une remarque par rapport à cette question, parce que ça a été déjà abordé tout au long de la présentation, à savoir quel est aujourd'hui le carrefour des mathématiques. Ben, maintenant, il n'y a plus de frontières. On vit dans un monde complètement ouvert. On n'a plus besoin d'un endroit physique pour avoir une transmission du savoir ou concentrer le savoir. Maintenant, le savoir peut se trouver de partout grâce à Internet. Mais par contre, la question qui suit, je vais la modifier. Donc, on nous demande jusqu'à quel point la femme a-t-elle contribué dans le développement et la création des mathématiques. Je vais plutôt poser une question différente. Il y a eu à travers l'histoire des cas comme Sophie Germain qui a contribué comme mathématicienne, mais pourtant au départ elle a dû utiliser un faux nom et se présenter comme un homme pour pouvoir présenter ses travaux. Est-ce que dans le monde musulman il y a eu des cas comme ça? Alors, dans le monde musulman, la médiatisation des citoyennes, surtout de l'élite, ben, suivait la même règle que les femmes des autres civilisations contemporaines, que ce soit la Chine, que ce soit l'Europe, du 9e siècle jusqu'au 15e siècle, même 16e siècle, les femmes, qu'elles fussent dans l'espace musulman, dans l'espace chinois ou indien ou européen, n'avaient pas encore atteint ou obtenu ou arraché le statut d'écrivaine ou d'auteur qui publie en son nom. Par contre, en pays d'islam, elles avaient arraché ou elles avaient obtenu, je ne sais pas très bien, elles avaient obtenu le statut d'intellectuel, le statut de savant en religion, de spécialiste du hadith, de spécialiste en médecine. Elles avaient atteint le statut d'artiste, par exemple, de poète, de poétesse. Alors, la question, est-ce qu'elle a eu un statut de savante en mathématiques? Eh bien, nous avons quelques noms, mais qui n'ont pas laissé de publication, ça j'ai expliqué pourquoi, mais nous avons quelques noms qui appartiennent à des élites qui montrent qu'elles ont participé à la pratique scientifique, je ne dirais pas à la... qui a été formée par son père, ça se passe toujours en famille, hein. Dans les élites, elle a été formée par son père et elle est devenue spécialiste de l'astrolabe, spécialiste de l'astronomie instrumentale, c'est-à-dire les aspects théoriques de l'astrolabe, l'aspect application, etc. Ça, c'est au 9e siècle. Nous avons au 10e, 11e siècle, un témoignage d'Al-Biruni, qui est un grand mathématicien du 11e, qui a dédié un de ses livres, Kitab Tafhim, mais en fait c'est un livre d'astronomie et non pas de Tanjim au sens d'aujourd'hui qui est l'astrologie, et qui sont les outils mathématiques, les premiers outils mathématiques du futur chercheur en astronomie. Alors ce qui est intéressant, ce n'est pas bizarre, mais ce qui est intéressant, qui a interpellé les chercheurs comme nous, c'est que d'habitude les savants dédient leurs livres à des grands princes, à des rois, à des califes, pour être rétribués. Lui, il l'a dédié à une femme dont on ne connaît que le prénom. Et elle s'appelle Raihana. Et c'est écrit noir sur blanc dans toutes les copies que nous avons de ce livre d'Al-Biruni. Alors donc, on peut supposer que c'était sa femme. On peut supposer que c'était une princesse. On peut supposer que c'était une reine. Mais comme il n'y a aucun détail, donc ça reste une énigme. Et donc, mais par contre, nous disons, puisqu'il a dédié ce livre à cette dame, c'est qu'on peut supposer raisonnablement
qu'elle comprenait, qu'elle allait pouvoir comprendre le contenu mathématique et astronomique du livre. Donc, elle avait une formation en astronomie. C'est tout ce qu'on peut dire. Les deux autres exemples que j'ai trouvés, c'est en Andalous. En Andalous, alors je mets de côté hein, toutes les spécialistes du hadith, toutes les spécialistes, les professeurs de littérature, de Usul al-Din, etc., qui étaient nombreuses et qui sont cataloguées. Il y a des ouvrages qui ont catalogué des milliers de femmes qui étaient soit des étudiantes auprès de professeurs hommes, soit qui sont signalés par le professeur, soit des professeurs qui avaient des étudiants hommes et des étudiantes femmes. Ça nous avons, ceux qui m'écoutent n'ont qu'à faire des recherches avec Internet, c'est facile maintenant, et ils n'ont qu'à voir les femmes savantes en islam, et ils vont trouver des références tellement importantes qu'ils n'auront pas le temps de tout lire. Bien sûr, ensuite, il faut tamiser. Bien sûr. Alors, pour revenir donc à votre question, en Andalous, à l'époque, au Xe siècle, à l'époque du calife Al-Hakam II, donc le fils de Abd al-Rahman III, le plus grand, hein, calife Omeyyade de l'Andalous, donc Al-Hakam II, avait réussi à repérer deux femmes qui avaient, semble-t-il, une intelligence supérieure à la moyenne des femmes qui étaient à son service. Alors, l'une, on l'appelle la secrétaire du calife. Alors, il l'aurait remarqué et à ce moment-là, il lui aurait donné, financé une formation en astronomie. C'est tout ce qu'on sait. Bon, et on l'appelle Jariyat al-Hakam, mais pas Jariyat au sens de servante. Et puis, la deuxième, elle s'appelle Lubna. Elle aussi, elle était probablement soit une secrétaire, soit une femme de l'entourage du calife. Et elle a été remarquée aussi par le calife. Et on dit qu'elle avait une excellente formation en mathématiques et en astronomie. Voilà tout ce que je peux dire qui est attesté par des sources. Pour le reste, il se peut que les recherches futures nous révèlent quelques personnes, mais je ne pense pas que les recherches futures nous révèlent des ouvrages écrits par des femmes, parce que pendant plusieurs siècles, dans tous les pays, dans toutes les sociétés du monde de l'époque, eh bien, les femmes, comme vous l'avez dit très justement, jusqu'à Sophie Germain, les femmes n'apparaissaient pas comme des auteurs avec des noms de femmes. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une autre question. Oui. À travers la présentation que vous avez faite, nous remarquons en fait que les mathématiques ont d'abord été développées comme quelque chose de pratique, appliqué. Et puis après, avec le temps, on commence à voir, entre guillemets, des théories qui commencent à apparaître. Est-ce que les mathématiciens arabes, musulmans, se sont intéressés à l'abstraction ou sont restés vraiment au niveau de quelque chose qui reste appliqué, des mathématiques appliquées, motivées par des problèmes? En fait, je me suis mal exprimé, ce qui a amené à cette question qui n'est pas complètement juste dans sa formulation. Je dois préciser que les mathématiques théoriques et les mathématiques appliquées vont être prises en charge par les premiers enseignants, d'abord les premiers traducteurs, les premiers enseignants et les premiers chercheurs en même temps. En même temps, puisqu'on n'a qu'à voir quels sont les ouvrages traduits du grec à l'arabe, du sanskrit à l'arabe, ce sont les deux grandes sources. Eh bien, ces ouvrages sont tous des ouvrages théoriques. Par contre, parallèlement, sans attendre que le grec soit maîtrisé par une grande proportion de l'élite. Il y avait une autre mathématique qui circulait bien avant l'islam et qui n'avait pas de rupture, qui continuait à circuler. C'est les mathématiques pratiques. Pourquoi? Parce qu'elles résolvaient les problèmes de la vie de tous les jours sans distinction de la nature religieuse de l'utilisateur, du consommateur. Les mathématiques de l'héritage, c'est une arithmétique. Arithmétique des entiers, arithmétique des fractions. C'est une arithmétique d'ailleurs orale ou
c'est une arithmétique qui est, comme les Arabes l'appellent, un calcul aérien, donc mental. Donc il y avait une mathématique mentale qui permettait de résoudre les problèmes des héritages. Les problèmes du mesurage, le mesurage des terres pour payer les impôts, le mesurage et le découpage des terres pour répartir les héritages quand ce sont des héritages qui sont des terres ou des immeubles. Bien. Eh bien, ces méthodes existaient avant l'islam. Nous avons des preuves dans la tradition babylonienne, donc de la région. Mais elles continuent à circuler, à être utilisées, mais uniquement par les artisans. Donc, ce qui est nouveau, en fait, c'est l'avènement d'une classe, d'une catégorie de spécialistes des mathématiques qui n'étaient pas des artisans, qui allaient à l'école, qui apprenaient les bases de telle ou telle science, géométrie, calcul essentiellement, plus tard algèbre, très vite algèbre, et ensuite qui vont les utiliser pour résoudre des problèmes que les anciens outils mathématiques ne pouvaient pas résoudre. Et donc on voit apparaître, par exemple, les outils de l'algèbre qui étaient tout à fait nouveaux, à partir de l'île de Khawarizmi, vont être utilisés dès le 10e siècle, 9e-10e siècle, même par le Khawarizmi au 9e, pour résoudre des problèmes d'héritage très difficiles qu'on appelle les problèmes de donation. Et ces problèmes donnaient parfois des équations du premier degré, du second degré, et on a constaté que les résoudre par l'algèbre, c'était beaucoup plus rapide que les méthodes anciennes qu'utilisaient les gens avant l'islam et que vont utiliser les premiers fuqaha. Les premiers fuqaha existaient avant l'avènement des traductions, bien sûr. Donc, il faut faire attention. La science, les mathématiques dites arabes, vont marcher sur deux jambes. Mais évidemment, même lorsque les mathématiques théoriques vont être traduites, il faut beaucoup plus de temps pour créer une classe de chercheurs, une catégorie de chercheurs, une catégorie d'utilisateurs des problèmes théoriques. Et il faut attendre aussi que les autres disciplines progressent pour demander des outils théoriques aux mathématiques. Voilà. Et donc, il y a un décalage. Mais les deux types de mathématiques ont coexisté. Et puis, il va y avoir une sorte d'osmose. Bon, je n'ai pas le temps de le raconter, mais j'ai des tas d'exemples dans mes recherches où, même lorsque les mathématiques vont décliner, elles vont se limiter à des mathématiques qui sont utilitaires, mais elles vont garder certains résultats mathématiques ou astronomiques théoriques qui avaient été établis au 9e siècle à Bagdad, mais ils vont les garder dans ce qui reste des mathématiques utilitaires. Pourquoi ? Parce que ces nouveaux outils sont devenus des outils tout à fait courants, pratiques, usuels, parce que les gens ont vu leur niveau de scolarisation élevé. Donc les gens qui cherchaient la direction de la Mecque, ce n'étaient plus des gens analphabètes qui vont demander à un spécialiste de venir chercher. Alors dans un petit village, eh bien, on leur donne quelques rudiments d'astronomie. Voilà. Et donc il y a un phénomène que révèle le déclin. C'est lorsque le déclin des mathématiques arabes va se confirmer, c'est à partir du 14e, 15e siècle, eh bien, ce qui est intéressant, même au Maghreb, hein, même au Maghreb extrême, en Afrique, on va trouver des résultats. Par exemple, on va trouver des gens au 15e, 16e siècle qui savent ce que c'est qu'un sinus, qui savent ce que c'est qu'un cosinus. Mais c'est quand même des éléments d'une nouvelle discipline qui va être développée au 9e, 10e siècle à Bagdad. Voilà comment parfois des savoirs théoriques vont être sauvés pendant le déclin par le savoir pratique, parce que c'est ce qui va rester pour faire la prière, pour faire le ramadan, pour s'orienter, etc., etc. C'est très complexe. Il y a toujours un va-et-vient entre les deux. En tout cas, il ne faut pas faire l'erreur, je dis ça aux jeunes, pas à vous, il ne faut pas faire l'erreur de dire les musulmans et les arabes, c'est normal, compte tenu de leur culture, ils n'ont développé que les mathématiques pratiques. C'est totalement faux, totalement faux. Mais il faut des cours et des cours pour convaincre les gens qui ne connaissent pas ce phénomène puissant du développement des mathématiques. Merci beaucoup, professeur. Ce fut un réel plaisir. Je remercie encore toute l'audience ici présente, et que ce soit ici en présentiel ou aussi à distance. Merci encore et restez avec nous pour le prochain événement avec professeur Ali Belmakhlouf. C'est après-demain, c'est ça ? Dans une heure, je pense. En moins d'une heure. Une demi-heure. On m'a dit qu'il y avait une table ronde un autre jour.
Oui, il y a une table ronde. On vous écrira. Oui, parce que là maintenant, je ne suis plus concerné maintenant. Non, là, vous pouvez voir votre petit-fils et lui expliquer toute la présentation. Non, surtout, j'ai deux petits-fils qui sont des diables. Je les ai obligés à aller dans une petite chambre, les pauvres. Et donc vous allez m'autoriser, vous êtes très gentil, pour m'occuper de mes deux petits diables. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci encore. Voilà. En tout cas, je tenais à remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de parler devant un public très intéressé et surtout, indépendamment de la visioconférence, donc des gens qui viennent de n'importe quel coin du monde, mais surtout un public de jeunes du Maroc, qui est quand même un pays frère, qui est prioritaire dans mes conférences, comme la Tunisie, la Libye et l'Algérie. Je vous remercie. Bonsoir. Donc, bienvenue à la dernière conférence d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Bien sûr, ce n'est que le début. Nous sommes ensemble toute la semaine. Comme pour chacune de nos rencontres, je vous demanderai d'être très vigilant sur la dimension sanitaire et de respecter les gestes barrières pour qu'on puisse continuer à travailler tranquillement. Merci. Je donne la parole à Foued. Merci. Merci, Saad. Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. C'est la première journée de la semaine de la science. Alors, pourquoi une semaine de la science ? Depuis le départ, il y a déjà plusieurs années, ceux qui ont conçu cette université ont voulu mettre la science et la recherche scientifique au cœur de leur projet, je dirais au cœur de leur ambition, en fait. L'idée est donc apparue il y a à peu près 2 ans, de souligner cette ambition, cette belle ambition, de mettre la science au cœur de Ben Gurion et Ben Gurion au cœur de la pratique scientifique. L'idée est donc apparue il y a 2 ans d'organiser chaque année, ici, sur le campus, une semaine de la science. Cette idée a eu le temps de mûrir à cause de la pandémie, puisqu'elle a été reportée à plusieurs reprises cette semaine. L'équipe d'ailleurs qui a organisé cet événement s'est étoffée, puisqu'au départ nous étions 2 et nous sommes 6 aujourd'hui. Et nous avons presque l'impression d'assister à un miracle, puisque vous êtes tous là, avec des hôtes de marque, en présentiel. Je dirais enfin, c'est la concrétisation d'un rêve, et c'est quelque chose qui a donc vocation à se répéter chaque année, une semaine de la science chaque année. C'est la première. Comme on dit en français, on essuie les plâtres, c'est-à-dire probablement on va faire quelques petites erreurs, mais on va faire un débriefing la semaine prochaine et les prochaines semaines de la science seront impeccables. Je dois vous dire aussi que nous sommes en direct avec Rabat et Layoun, donc nous ne sommes pas seuls. Pour cette conférence de 19h, j'ai choisi de longue date, hein, de demander au professeur Ben Mekhlouf, qui a eu la gentillesse d'accepter, de donner une conférence. Qui est le professeur Ben Mekhlouf? Je crois que beaucoup d'entre nous le connaissent, mais pour les plus jeunes ou pour ceux qui ont raté le film, Ali Ben Mekhlouf est professeur agrégé de philosophie. Il est membre senior de l'Institut universitaire de France. Il est membre titulaire de l'Académie nationale de pharmacie, ce qui étonne d'ailleurs beaucoup de gens, parce qu'ils disent « mais Ben Mekhlouf, c'est un philosophe ». Et il est membre aussi du conseil, est-ce qu'on dit conseil consultatif, c'est ça ? Conseil consultatif national d'éthique. Donc quand il y a des grandes questions éthiques qui se posent en France, qui sont discutées au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, on se tourne vers le conseil consultatif et non seulement notre ami Ali Ben Mekhlouf est dans ce conseil, il en est même le vice-président. Et alors, quand les gens me disent « mais enfin, est-ce qu'il est philosophe ou pharmacien ?», je leur dis « tenez-vous bien, il est bien plus que tout cela. Il est capable de vous parler de logique avec des travaux extrêmement intéressants sur Frege, sur Russell, sur tous ces gens-là, mais il est également parfaitement capable de vous parler d'Aristote. Il est spécialiste d'Ibn Rushd, je dirais l'un des meilleurs spécialistes, l'un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre d'Ibn Rushd, mais aussi de Farabi. Et aussi, il aime beaucoup Montaigne, il aime beaucoup la littérature française. Si vous avez l'occasion de le voir lire des textes de Flaubert, il faut y aller. C'est un moment
Superbe. Il est ce qu'on appelle en anglais versatile, qu'il ne faut pas traduire en français par versatile parce que ça veut dire autre chose, mais disons qu'il a beaucoup de flèches à son arc. De janvier à mai 2022, Ali Ben Khlouf sera visiting professor à NYU, à New York. Donc si vous êtes à New York le semestre prochain, vous saurez qu'il y a quelqu'un chez qui vous pourrez passer la nuit si vous n'avez pas d'hôtel. Ce sera le professeur Ben Khlouf à New York l'an prochain. Voilà, je donne donc la parole à mon ami Ali Ben Khlouf et je vous demande d'abord de l'applaudir pour l'encourager. Merci, cher Fouad Haroui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les organisateurs, Mesdames, Messieurs les étudiants, merci beaucoup de votre invitation. C'est un honneur et un plaisir à la fois d'être ici parmi vous. Comme vous le voyez, l'intitulé de la conférence de ce jour, c'est la philosophie arabe classique à travers deux questions. Quelle transmission ? Quelle actualité ? Et si vous me permettez, j'aurai cinq remarques préliminaires avant d'annoncer mon plan. Ces cinq remarques, elles s'affichent devant vous. Je dis d'abord qu'il s'agit d'une philosophie arabe classique et non pas médiévale. Il ne s'agit pas de philosophie médiévale, puisque le Moyen-Âge a été conçu pour expliquer la transition entre la chute de l'Empire romain et la Renaissance européenne. Mais dans le cadre de l'ère arabo-musulmane et de ce moment du 9e au 15e siècle dont je vais parler, deux siècles après la Révélation, il n'y a aucune transition, aucune médiation, aucun Moyen-Âge, on est en plein classicisme. Deuxième remarque, c'est qu'il y a, pour expliquer l'intitulé « Transmission actualité », excusez-moi, il y a une permanence de certains thèmes, une permanence de certaines thèses, une permanence de certains motifs, qui ne signifie pas une continuité, mais une récurrence des mêmes problèmes. Pas une continuité, parce que quand on dit continuité, on pense que le passé n'est que le passé de notre présent, et on oublie qu'il fut un présent pour ceux qui le vivaient comme présent. Troisième indication, c'est qu'effectivement, il y a un rapatriement, je cite Alain de Libera, à faire de la philosophie arabo-musulmane dans l'histoire de la philosophie, parce que très souvent on enseigne à travers le monde, pas spécialement au Maroc, la philosophie à partir de les Grecs, et puis on fait un grand saut parce que le Moyen-Âge est considéré comme un âge obscur et on arrive à Descartes. Or, il y a toute une tradition à Alexandrie et bien sûr à Bagdad et à Cordoue, qui passe souvent à la trappe. C'est ce qui fait dire à ce professeur honoraire du Collège de France, Alain de Libera, qu'il faut rapatrier la philosophie arabe dans l'histoire de la philosophie pour qu'elle soit non pas une philosophie à part, mais une philosophie à part entière dans cette histoire commune. Et puis, quatrième élément, je disais, un des indices de cette philosophie, de cette longue durée de la philosophie arabe, est la stabilité de la langue. Quand vous ouvrez Fasl Maqal d'Ibn Rushd, quand vous ouvrez Kitab al-Millah d'Al-Farabi, eh bien, vous coïncidez avec la langue, ce qui est extraordinaire. Fouad Haroui a cité tout à l'heure Montaigne, qui a écrit au XVIe siècle, mais pour ceux qui sont coutumier de la langue française, aujourd'hui, déjà le XVIe siècle, la langue de Montaigne est très difficile. Or, c'est une extraordinaire
un extraordinaire privilège d'avoir une langue arabe très stable au niveau de sa syntaxe. Et croyez-moi, c'est un des critères qui a été choisi par le philosophe Heidegger pour dire que la philosophie, c'est parler en grec et en allemand. Il ne connaissait pas l'arabe. Et quand on lui a dit pourquoi il sait parler en grec et en allemand, il a dit en raison de la stabilité de la langue. Mais l'arabe est tout à fait dans ce cadre-là. Et cinquième indication, très importante, c'est que ces philosophes, Al-Kindi, Ibn Sina, Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Khaldoun même, tardivement au XIVe siècle, se sont adressés au public de leur temps. Ce ne sont pas, comme disent souvent les philosophes du monde européen, des passeurs de la philosophie grecque vers le monde européen. Non, ce ne sont pas seulement des passeurs. Ce sont des philosophes à part entière, je reprends cette expression, et surtout, ils disent qu'ils s'adressent aux gens de leur temps, les ehlizamanina, selon la coutume et l'usage de la langue, expression d'Al-Farabi. Donc, c'est bien ce point qui est important, et je vais prendre juste deux exemples. Quand Ibn Rushd commente Aristote, et notamment Kitab Shi'r, la poétique d'Aristote, Aristote parle d'Œdipe, mais il n'y a pas d'Œdipe à Cordoue dans le XIIe siècle. Il n'y a pas une scène théâtrale où quelqu'un se crève les yeux après avoir commis l'inceste, etc. Il n'y a rien de tel. Mais si le tragique, c'est que quelque chose advienne à une personne en raison d'une personne proche de sa famille sans qu'elle l'ait mérité, c'est ça le ressort tragique, eh bien Ibn Rushd va puiser dans le texte coranique. Et Joseph, martyrisé par ses frères, dans Sourate Yusuf, Joseph martyrisé par ses frères, il reçoit du malheur des proches sans l'avoir mérité. Il est une figure tragique et donc la figure de Joseph va venir comme exemple du commentaire de Chien. De même, deuxième exemple, quand Aristote dit qu'il y a l'essentiel et l'accidentel. L'essentiel, c'est ce qui nous est propre à l'aql, par exemple, mais ce qui est accidentel, je me promène ou je m'assois, ça c'est accidentel. Eh bien, Aristote dit, se promener dans le gymnase est accidentel pour l'homme. Mais Ibn Rushd, il lit le gymnase et il n'y a pas à Cordoue quelque chose comme le gymnase. Il lui substitue la mosquée. C'est accidentel pour l'homme. Il peut, comme ne pas, se promener dans la mosquée. Et donc, gymnase-mosquée, vous avez des équivalents notionnels pour permettre aux gens de comprendre. Et c'est ce qui me permet, si vous voulez, de dire devant vous aujourd'hui que ce que je vais défendre, c'est la compréhension et non pas la transmission d'un réseau de signification. Le sens n'est pas incarcéré dans les textes. Ce qui est important, c'est qu'on veut comprendre quelque chose. Et si bien que la grande opération de traduction qui a été lancée des textes grecs, cette grande opération de traduction, c'était traduire pour comprendre. Ça va être le premier moment, si vous voulez, d'une analyse avec vous. Pourquoi Hippocrate, Galien, Platon, Aristote ont été traduits dans la maison de la sagesse d'Al-Hikmah sous le calife Al-Ma'moun en 832-833 sous l'égide du philosophe Al-Kindi. Pourquoi on a traduit les Grecs? C'était pour comprendre, c'est pas pour passer des significations. Et deuxième indication sur laquelle je continuerai, c'est que cette philosophie n'est pas une philosophie hors sol, c'est une philosophie qui s'est constituée à partir des pratiques, et ces pratiques, c'est notamment ce que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, la logique et la médecine. Professeur Jbar tout à l'heure a parlé de la géométrie, de l'algèbre, de l'arithmétique. Moi, je vais mettre l'accent sur la logique et la médecine, et puis je terminerai par les affinités avec la philosophie du langage et la philosophie de la logique aujourd'hui, c'est-à-dire comment des débats anciens qui nous semblent métaphysiques, par exemple, le monde est-il créé, le monde est-il ancien, éternel, métaphysique, est totalement traité par des outils du langage
déjà à l'époque et qui aujourd'hui précisément font florès dans la philosophie dite analytique, et également des questions de logique sur lesquelles je reviendrai. Alors, voici l'introduction, voici le plan, et je vais précisément commencer. Voilà, j'ai annoncé les trois moments, et j'arrive à ce premier moment, traduire pour comprendre. Je pars de cette citation de Pierre Hadot, qui était un professeur au Collège de France, spécialiste de philosophie hellénistique. Et il dit que à chaque fois qu'il y a tradition, traduction, exégèse, il y a, comme vous le voyez, des phénomènes d'incompréhension, de glissement, de perte de sens, de réinterprétation qui peuvent aller jusqu'au contresens. Et un des exemples a été la question de la double vérité. Alors, c'est quoi cette question de la double vérité ? Alors, vous avez toute cette philosophie qui émerge, qui se développe de Bagdad à Cordoue, notamment, et puis Ibn Rushd meurt en 1198, à la fin du XIIe siècle, et très vite, dès 1220, toutes ses œuvres sont traduites dans le monde latin. Et quand elles sont traduites, les gens de l'Église les trouvent absolument subversives, et donc ils vont les discréditer. Et on a la condamnation de l'évêque Tempier en 1277, qui est précisément condamnation des thèses averroïs, qui dit quoi ? Qui dit qu'il y a une double vérité, ce philosophe est en train de disloquer la vérité, il y aurait une vérité selon la foi et une vérité selon la philosophie, et vous voyez que ça ne peut pas marcher, puisque la vérité selon la foi est une et elle ne peut pas concurrencer une autre vérité. Or, Ibn Rushd, c'est ce que dit très bien Hadot, incompréhension, glissement de sens, réinterprétation qui peuvent aller jusqu'au contresens, Ibn Rushd n'a jamais, mais jamais défendu l'idée d'une double vérité. Et c'est Léo Strauss, un philosophe américain, qui lui rend justice à travers cette citation. Permettez-moi de la lire avec vous. L'averroïsme latin, tous ceux qui ont interprété Ibn Rushd dans le monde latin, est célèbre pour sa doctrine de la double vérité, selon laquelle une thèse peut être vraie en philosophie et fausse en théologie, et vice-versa. La doctrine de la double vérité, je l'ai mis en gras, n'apparaît pas chez Averroès. Il y a un LES de trop. N'apparaît pas chez Averroès lui-même, ni chez ses prédécesseurs. Jamais. Voilà une invention polémique intentionnelle greffée sur les philosophes arabes. Au lieu de cela, nous trouvons dans la philosophie islamique un usage relativement étendu de la distinction entre enseignement exotérique fondé sur des arguments rhétoriques et un enseignement ésotérique fondé sur des arguments scientifiques et démonstratifs. De quoi il s'agit ? Non pas une double vérité, mais trois méthodes. Trois méthodes pour accéder à une même vérité. Et les trois méthodes, c'est quoi ? La rhétorique, c'est-à-dire la persuasion, al-iqna', la persuasion rhétorique, la dialectique, l'évaluation, al-jadal, l'évaluation des arguments, la manière de les peser, de les pondérer, et la troisième voie, la voie royale, la voie démonstrative qui, comme disait Aristote, vous contraint de croire. La somme de trois angles d'un triangle est égale à deux droits. C'est vous êtes contraint de le croire selon une démonstration. Donc, il y a de la rhétorique, il y a de la dialectique, il y a de la démonstration, mais au service d'une même vérité. Et on va tenir compte de la persuasion rhétorique parce que l'iqna est très important vu que c'est ainsi que la religion s'implémente dans l'esprit des gens, et la démonstration qui est pour ar-rasikhuna fil ilm, les gens qui arrivent à être complètement involved in sciences. Cet exemple vous montre bien, si vous voulez, comment la philosophie arabe très vite a été discréditée en greffant dessus par les hommes d'Église cette histoire de la double vérité. Or, cette question, qu'il ne s'agit pas de double vérité mais de trois méthodes, quelqu'un comme Averroès va dire « mais c'est le Coran lui-même qui nous dit qu'il y a trois méthodes ». Permettez-moi de lire la sourate 16, le verset 125.
ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة, la sagesse, c'est le niveau le plus haut du savoir qui va être labellisé démonstration. Al-maw'id al-hasana, c'est l'exhortation, ça c'est la persuasion rhétorique. Wajadilu billati hiya ahsan, et l'art de la dialectique, sina'at al-jadal, billati hiya ahsan, non pas la dialectique pour polémiquer, non pas la dialectique pour mettre en pièce la religion ou mettre en pièce les opinions, mais la dialectique pour cribler les opinions et les examiner en vue de retenir celles qui sont valables pour la majorité. On appelle précisément ces propositions al-mashhurat, les propositions dialectiques qui sont retenues après examen du répondant et du questionneur. Donc, vous voyez, j'essaie de vous faire rentrer dans cet univers qui réconcilie trois méthodes, qui les inscrit, qui les retrouve dans le texte coranique et qui les développe philosophiquement en disant que c'était aussi trois méthodes d'Aristote. Et j'en viens à l'introduction de cette philosophie dans le monde arabo-musulman. Pourquoi, après tout, du 7e au 9e siècle, après la religion, l'avènement de la religion historique, la religion de l'islam, il y a eu... Eh bien, il y a eu ilm nahw pour bien lire le Coran, il y a eu usul din, l'exégèse religieuse, usul fiqh, le domaine du légal. Donc, après tout, ces sociétés arabo-musulmanes avaient déjà tout un appareil symbolique pour être structurées. Pourquoi ce savoir grec qui vient du dehors? Eh bien, il a fallu répondre à cette question. Et quelqu'un comme Al-Kindi, qui précisément supervisait les traductions sous le calife al-Ma'moun du grec via le syriaque vers l'arabe, eh bien, Al-Kindi va répondre. Il dit, ce savoir, on ne le prend pas tel quel, on le prend justement selon la dialectique. On va retenir de ce savoir ce qui résiste à la critique et on va rejeter le reste. Et vous-même qui êtes opposés, donc c'est, disait-il, ceux qui usurpent des chaires religieuses qui usurpent des postes en théologie. Eh bien, si vous êtes contre ce savoir grec dit profane, si vous êtes contre ce savoir grec, donnez des raisons. Il est important d'avoir hujaj wa barahin, des raisons et des démonstrations pour le rejet d'un savoir. Et donc, pour le rejeter, il faut l'utiliser au moins comme un outil. C'est la citation que je vous mets ici d'Al-Kindi. En effet, il faut nécessairement, de l'aveu même de ceux qui s'y opposent, qui s'opposent à l'arrivée du savoir grec, acquérir la science des choses en leur vérité. C'est la définition de la philosophie. Car de deux choses l'une, vous voyez déjà la dialectique opérée, ils diront soit qu'il faut l'acquérir, soit qu'il ne faut pas. Il y a la possibilité. Or, s'ils disent qu'il le faut, il leur faut la rechercher, et s'ils disent qu'il ne le faut pas, il leur faut présenter la raison, hujja, et en donner une démonstration, burhan. Or, donner une raison et une démonstration fait partie de l'acquisition de la science des choses en leur vérité. Ainsi donc, de leur propre aveu, il est nécessaire de rechercher cette acquisition, et forcément, il est nécessaire de la tenir avec fermeté. Donc, il y a, si vous voulez, même si le mot falsafa n'est pas dans les hadiths, le mot falsafa n'est pas dans le Coran, ça c'est la grande question. Alors le mot falsafa n'y est pas, mais il y a le mot hikma. Et donc on va labelliser hikma tout ce savoir des anciens. Il disait jamais profane, il disait jamais polythéiste, il disait les qudama. Al-qudama, c'est Platon, Aristote, Galien, Hippocrate. Al-qudama wa nahnu fi ahli zamanina. Et donc, Al-Qudama, entre le Qudama et nous, il y a une continuité de la vérité, une unité de l'histoire de la vérité, un processus de vérité qui se dépose dans des peuples divers à divers moments,
en raison de l'izdihar, de l'hadara, de tel ou tel pays, de tel ou tel peuple, de l'essor civilisationnel de tel ou tel peuple. Et précisément, dans ce processus de vérité, il y a la reconnaissance pleinement de cet art dialectique d'interaction culturelle. Je reprends d'un peuple ce que je n'ai pas et moi-même je transmets, etc., etc. Bien. Donc vous voyez, c'est un contexte assez, on le voit dans ce passage du IXe siècle, un contexte difficile, mais même si la philosophie n'était pas labellisée comme nom dans les textes des hadiths, il n'y a pas le mot falsafa, dans le Coran, il n'y a pas le mot falsafa, mais la spéculation philosophique était déjà là. Par exemple, vous dites que Dieu est un, ses attributs sont multiples. Et c'est quoi Dieu un et ses attributs multiples? Déjà, il y avait une spéculation théologique, et certains comme Jean Jolivet, qui a longtemps enseigné en France, mort aujourd'hui, il disait la philosophie arabe est née une première fois comme théologie, parce que répondre à la multiplicité, à Dieu un avec des Sefat Mutaadida, avec des attributs multiples, c'est une question philosophique. Et elle va recevoir des traitements différents. Par exemple, certains vont dire « Dieu est un et ses attributs ne sont pas multiples. Ce sont juste des façons de voir. Dieu en tant que puissant, Dieu en tant que sachant, Dieu en tant que voyant, mais en tant que ne signifie pas que Dieu est multiple. » À cela, d'autres répondent « Attention, si ce ne sont que des façons de voir, ça veut dire que Dieu n'est pas réellement omniscient, n'est pas réellement omnipotent. Donc il y a une réalité des attributs qui réside dans l'essence divine, et d'autres disent qu'ils sont simplement inhérents pour ne pas toucher à l'unité. » Vous voyez, des spéculations théologiques qui sont pleinement philosophiques. Il n'y a pas le mot falsafa, mais il y a déjà de la philosophie, si vous le voulez bien. Et précisément, je reviens à mes trois méthodes en disant que la logique, c'est un de mes éléments d'analyse avec vous, la médecine, j'y arrive dans un instant, la logique, selon ces philosophes, est une logique élargie. En général, comme je l'ai noté, la logique renvoie à la conception, à tasawwur, au jugement, al-hukm, au raisonnement, al-qiyas, et à la définition, al-had. Et ces philosophes l'ont élargi, et j'ai mis, la logique comprend aussi la poétique, l'art de fabriquer des images. La poétique comprend tout, la statuaire, la peinture, la poésie, la poétique, et la rhétorique, al-iqna', et badi'ra al-mushtarak, ce qui convainc d'un premier coup d'œil. Et précisément, c'est très important pour eux d'intégrer aux activités classiques de la logique la poétique et la rhétorique. Pourquoi? Parce que quand on lit le Coran, il y a des images et il faut leur donner un statut raisonné. C'est ce que va faire Al-Kindi, son maître. Il était précepteur du fils de Mu'tasim, et le fils du Mu'tasim lui dit: écoutez, moi quand je lis Al-Najmu Al-Shajaru Yasjudan, attention, Najm, ce sont les plantes, c'est pas Nujum, Najm il al-Ard, donc on comprendrait pas d'ailleurs que les étoiles viennent avec les arbres dans ce contexte du verset 5 de la sourate 55 de Ar-Rahman. Al-Najmu Al-Shajaru Yasjudan, il dit: mais moi je ne comprends pas, Al-Najm, les plantes, elles n'ont pas de front, elles n'ont pas de paume de main, elles n'ont pas de genoux. Comment Yasjudan? Et précisément, la réponse est de lui dire: ces images, on va les prendre au sérieux. Et ce sont des images qui sont données, mais il faut voir les causes prochaines. Et là commence l'analyse, parce qu'il va chercher une poésie anti-islamique, non pas religieuse, pour dire que les plantes qui se développent, c'est qu'elles obéissent à leur jardinier. Il va prendre la notion d'obéissance dans Yasjudan et il va développer une très belle lettre que je vous invite à lire, qui n'est pas longue, mais que je ne vais bien sûr pas développer ici avec vous. Et il explique clairement, à partir de la linguistique, comment un terme peut se rapporter à deux choses opposées, Yasjudan, pour des choses qui n'ont pas de front,
qui n'ont pas de pommes, qui n'ont pas de genoux, les plantes et les arbres, mais Yesjuden, parce que dans la langue arabe, un mot peut être utilisé pour deux sens opposés. Par exemple, le sens conjuratoire, vous dites à quelqu'un « adil » alors qu'il vient de faire un acte injuste parce que vous lui souhaitez d'être « adil ». C'est l'exemple que prend Al-Kindi. « Adil » se dit du juste et de l'injuste. De l'injuste de manière conjuratoire, attention, sois juste. De même, d'ailleurs, vous le savez très bien, pour le mot « l'afia », ça ne veut pas dire le feu, ça veut dire « attention le feu, ta santé est mise en jeu ». Donc il y a des sens d'attention. Il y a des gens qui disent « la tek l'afia ou la kin dial shark machid dial mbreb » ou la kin, c'est la même « afia ». L'afia, et l'afia qui a pris maintenant le nom pour les Marocains du feu, c'est simplement un sens conjuratoire « attention le feu ». Attention, tu fais un acte injuste. Donc, Al-Kindi commence par une analyse linguistique du langage qui, aujourd'hui, si vous voulez, c'est celle par laquelle on commence plusieurs façons de faire de la philosophie, d'où mon titre aujourd'hui aussi, Transmission, Actualité, les méthodes n'ont pas vieilli. Je disais comprendre, pas transmettre du sens. Non, le sens n'est pas incarcéré dans des textes. Le sens se constitue souvent dans l'adresse, bien évidemment, mais aussi il s'interprète, j'y reviendrai pour le texte sacré, et quand il n'y a pas un mot et qu'un philosophe ancien, par exemple, dit, Aristote dit, al-jumla, on dit en logique al-qadiya, comprend trois parties, sujet, verbe, complément, verbe c'est la copule, le verbe être, Socrate et sage. Oui, mais en arabe, Socrate Hakim, j'ai deux termes. Comment je fais? Aristote dit qu'il faut qu'il y ait trois termes. Eh bien, les philosophes vont dire oui, mais Rab et Takeina, simplement elle n'est pas visible dans la langue, mais Socrate, Hua Hakim. Et on va précisément ajouter le Hua pour l'explication, bien que linguistiquement on n'en a pas besoin. Et vous avez la différence entre l'usage linguistique et l'usage du langage de la pensée. Le langage de la pensée, il met « huwa ». Socrate, « huwa hakim ». Parce que si j'ai juste Socrate et le hikma, j'ai juste « huwa ul'atf ». Or, il me faut « rabita beynahuma ». Et « rabita », c'est précisément le « huwa ». Je vous mets le mot de Ibn Rushd à ce sujet dans « Tzalkhis kitab al-ibara ». Il n'existe pas dans la langue arabe ce mot qui désigne ce genre de liaison, rabeta et Socrate et sage, makaynch. Alors qu'il existe dans les autres langues. Le mot qui y ressemble en arabe est ce que désigne les mots huwa. Par exemple, lorsque nous disons Zaydun huwa hayawan, c'est pas hayawan au sens de l'insulte, c'est hayawan au sens d'un être vivant. Nous sommes tous des êtres vivants, vous le savez, mais ils en avaient bien conscience à l'époque. Ou bien maoujoud. Par exemple, lorsque nous disons Zaydun Maoujoudun Hayawan. Zaydun Maoujoudun Hayawan, personne ne le dit parce que ce n'est pas l'usage linguistique récurrent, habituel. Mais parfois, quand vous voulez insister, Socrate, Huwa, c'est celui dont je parle. Et alors, en philosophie de la logique aujourd'hui, ce Huwa, qui est un pronom à la place d'un verbe, le pronom, on appelle ça un pronom de focalisation. Vous dites, tous les corbeaux sont noirs. Vous avez fait rabita entre corbeau et noir, mais à chaque fois qu'il y a un corbeau, il est noir, le il fait la focalisation, la rabita qui fait ce qu'on appelle l'attribution, attribuer un prédicat à un sujet. Excusez-moi pour ces aspects un peu techniques, mais bon, j'ai passé toute ma vie à faire ça, alors j'aimerais bien de temps en temps les partager. On traduit, on a traduit du grec, on a transposé, on a donné des équivalents notionnels, on a voulu faire comprendre, on n'a pas voulu transmettre des significations servilement. Et Ibn Khaldoun, qu'est-ce qu'il dit Ibn Khaldoun? Alors Ibn Khaldoun, il arrive très tardivement, c'est le 14e siècle. Et le 14e siècle, il y a déjà toute la maturité de ce savoir qui a pris une formule même, une forme même encyclopédique. Et il dit, mais attention, essayons de voir sans illusion rétrospective, comment ce passé fut présent et non pas comment c'est notre passé, déjà au XIVe siècle. Et comment il fut présent? Eh bien, il fut présent sous une forme qui aurait pu être autrement.
Et c'est très important d'entendre le passé comme ce qui aurait pu être autrement. Je lis avec vous la phrase d'Ibn Khaldoun. Les sciences qui ont été perdues sont plus nombreuses que celles qui nous sont parvenues. Océan d'ignorance dont a parlé tout à l'heure le professeur Bentires. Où sont les sciences des Perses qu'Omar, second calife, avait donné l'ordre d'abolir à l'époque de la conquête? Où sont les sciences des Chaldéens, des Assyriens, des Babyloniens? Où sont les œuvres, leurs œuvres et les résultats qu'ils ont acquis? Où sont encore les sciences des Égyptiens avant eux? Les sciences qui sont arrivées jusqu'à nous proviennent d'une seule nation, la Grèce, grâce à la passion mise par le Mahmoud à les faire sortir de la langue grecque et aux moyens qu'il a pu mettre en œuvre, un grand nombre de traducteurs et beaucoup d'argent. C'est très contingent. La transmission de la science, beaucoup de moyens. Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle resitue les choses au niveau des acteurs humains et ne pas voir la Grèce pour le monde arabe comme une nécessité. On aurait pu plutôt traduire les Indiens, traduire les Chinois. El-Ma'moun a choisi la Grèce et ça a donné une destinée à la philosophie arabo-musulmane. Soyez sensibles à ce passé qui fut un présent et qui aurait pu prendre d'autres orientations. Je disais, le mot philosophie n'existe pas dans les hadiths et dans le Coran, mais on a sélectionné dans le Coran le terme de hikma. Et il y a un passage dans la sourate Al-Baqara, verset 151, où, je le lis en arabe, « Kama arsalna fikum rasulan minkum, yatlu alaykum ayatina, wa yuzakkikum, wa yuallimukum al-kitaba wal-hikma, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. » Yuallimukum al-kitaba wal-hikma. Ça veut dire quoi, al-kitaba wal-hikma? Al-kitab, le Coran, ou al-hikma? Comment interpréter le hikma? Et vous allez avoir deux interprétations, toutes les deux intéressantes. Si vous êtes dans la tolérance mutuelle, prenez les jurisconsultes, les fuqaha, et prenez les philosophes, et réfléchissez entre les deux. Al-Shafi'i dit, وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ الْحِكْمَةِ bien sûr, c'est sunnat Rasulullah. وَالْحِكْمَةِ ça veut dire que le kitab et le hikma vont ensemble, le kitab et le sunnat vont ensemble. Le texte coranique, elle ne dit pas sunnat. Donc c'est un ta'wil intéressant. Et Ibn Rushd, il dit non, moi je ne lis pas الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ الْحِكْمَةِ هِيَا sunnat. Je lis الْحِكْمَةِ, le savoir le plus haut. Al-Burhan, le savoir démonstratif. Et si certaines civilisations, comme Yuhallimuna al-Rasoul, certaines civilisations, le prophète, dans un de ses hadiths, il dit, n'oubliez jamais que des civilisations autres que vous ont réalisé des choses mieux que vous. Pourquoi ce verset, on ne le cite jamais? On voit toujours le prophète comme le fondateur d'une nouvelle religion et on ne le voit pas comme celui qui était dans l'interaction entre plusieurs civilisations. Il y a d'autres civilisations, et le prophète le disait, qui ont fait des choses mieux que ce que vous faites, vous, dont je suis contemporain. Souvenez-vous, on se place toujours du présent qui fut, enfin du passé qui fut un présent pour les acteurs agissants. N'oubliez jamais ce point, le passé n'est pas notre passé en premier, il est un présent pour ceux qui l'ont vécu comme acteurs sociaux. Notamment, et acteurs politiques, bien évidemment. Rapidement, sur le second point, je suis déjà un peu trop long, on m'a donné 45 minutes, j'en ai passé 30, mais je ne vous retiendrai pas plus de 15 minutes, puis j'aimerais tellement avoir vos questions. Fouad Laharoui a cité Montaigne. Montaigne disait que la parole est moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute. Et donc, la moitié vous appartient, bien évidemment. Vous venez avec vos imaginaires, vos attentes, vos réflexions, et elles s'enchevêtrent nécessairement dans mon discours. Et je suis toujours heureux de les entendre quand je fais une communication ou un cours. Je disais, pour la logique et la médecine, voilà.
toujours cette continuité entre la parole inspirée et la parole argumentée. La parole inspirée des prophètes et la parole argumentée des philosophes. De la parole divine, je me permets de lire Averroès, relève aussi, comme on dit si bien, de la parole divine relève aussi ce que Dieu communique aux savants, qui sont les héritiers des prophètes, par l'intermédiaire des démonstrations. Voilà la hikma, elle est dans la démonstration. Et de cette façon, il s'avère pour les savants que le Coran est la parole de Dieu, le Coran est la parole de Dieu, une parole qui vous dit allez chercher la démonstration là où elle se trouve. Et la démonstration là où elle se trouve réalisée sous une haute forme chez quelqu'un comme Averroès, comme Aristote, qui avait codifié le raisonnement. Le syllogisme rhétorique, le syllogisme démonstratif, le syllogisme dialectique. Et dans le syllogisme démonstratif, c'est le syllogisme où il y a l'instance de l'universel, tous les hommes sont mortels, donc il y a cette universalité qui fait, si vous voulez, le suc de la science. Il n'y a pas de science s'il n'y a pas une accroche sur l'universel. Et donc ce syllogisme va être glorifié par Averroès, qui va dire, attention, dans notre civilisation arabo-musulmane, on a beaucoup fait du qiyas shar'i chez les fuqaha, qiyas shar'i, donc on compare et on adapte, on rend justice en assimilant un cas à un autre cas. On est au niveau des cas, il n'y a pas d'universalité. N'oubliez pas le qiyas aqli, qui s'occupe des cieux, des chameaux, de la terre, des êtres vivants, etc., physiologie, physique, métaphysique. Et là, le qiyas aqli, qui est un raisonnement de connaissance, pas pratique d'action, comme le droit, n'oubliez pas que ce syllogisme-là, il est très très important, et vous le savez bien, c'est pourquoi nous luttons tous via cette très belle université, c'est que les arabo-musulmans reprennent le flambeau de la conception, pas simplement de la fabrication, reprennent le flambeau du concevoir, du théorique, de la connaissance, et pas seulement du pratico-pratique. Sans négliger le pratico-pratique. Mais pour avoir, si vous voulez, ce flambeau de la connaissance, il faut s'accrocher à l'universel, il faut s'accrocher à ce que les autres civilisations ont déjà réalisé, et il se trouve que Ibn Rushd l'avait fait. Et il cite un très bel exemple, c'est celui-ci. Permettez-moi de vous le lire. « Si d'autres que nous, ils pensent aux Grecs, mais les Chinois, mais les Indiens, etc. Si d'autres que nous ont déjà procédé à quelques recherches en cette matière, il est évident que nous avons l'obligation. » Wajib alayna, c'est un terme juridique. Sharia pour Averroès nous pousse à connaître. Nous avons l'obligation pour ce vers quoi nous nous acheminons de recourir à ce que en ont dit ceux qui nous ont précédés. Donc, personne ne trouve la vérité seule. Il importe peu que ceci soit au nom de notre religion. Il importe peu qu'il soit co-religionnaire. On ne va pas étudier uniquement des musulmans, ce serait absurde. Le prophète lui-même a dit, regardez ce que font les autres, ils le font mieux que vous. De même, alors l'exemple est très intéressant, c'est l'analogie. De même, dit-il, on ne demande pas à l'instrument avec lequel on exécute l'immolation rituelle. Tête de bho, yak, fi'id kbir. Bon. On ne demande pas à l'instrument avec lequel on exécute l'immolation rituelle s'il a appartenu ou non à l'un de nos co-religionnaires. L'origine du couteau, ce n'est pas qu'il soit musulman, c'est qu'il coupe bien et qu'il corresponde, comme il dit, aux conditions de la santé, l'hygiène, pour juger de la conformité aux conditions de la santé. Par ceux qui ne sont pas de nos co-religionnaires, j'entends les anciens, le Qudama, qui ont étudié ces questions avant l'apparition de l'islam. Il nous faut puiser à pleine main dans leurs livres afin de voir ce qu'ils en ont dit, si tout s'y avère juste, sawab, ou sahih, nous le recevrons de leur part. Et s'il se trouve quelque chose qui ne l'est pas, qui ne le soit pas, nous le signalerons. Art dialectique de préservation du sound, disent les Anglais, de ce qui est valide, et de lâcher ce qui ne l'est pas. Et vous avez une très belle distinction de laquelle va vous entretenir demain, je crois, ou après-demain, Abdelwahab Rgoud, sur la distinction entre le valide et le vrai. Le valide
des sciences profanes et le vrai al-haq, qui est un parfait religieux, qui est bien évidemment la vérité religieuse. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a une compatibilité entre al-haq et bien sûr as-sawab aw-sahih. Et cette compatibilité, Averroès l'a problématisée ainsi. Il a dit dans le texte sacré, je l'ouvre, si je trouve pas du tout ce dont les sciences profanes parlent. Très bien, ça veut dire que tout est ouvert. Si je trouve ce que les sciences profanes disent, très bien. Et si je trouve des choses qui sont filirtilev, il emploie le mot irtilev. Malheureusement, dans la traduction française du discours décisif, ils mettent contradiction. Non, ce n'est pas dad, c'est l'irtilev, qui est un concept juridique. S'il y a, il y a matière à controverse. Et là, il dit, il y a la possibilité du ta'wil, il y a une possibilité du ta'wil, s'il y a irtilev, pas contradiction, irtilev. Donc, tout cela est bien répertorié. Alors, je parlais beaucoup de logique. Un mot quand même sur la médecine avant mes deux derniers exemples métaphysiques et politiques sur l'actualité d'aborder les choses par le langage. Rapidement sur la médecine. Là, vous voyez, la médecine sert comme paradigme de connaissance parce qu'on utilise les conditions de la santé pour tenir compte d'un savoir qu'on juge par sa validité et pas par son origine. Le savoir qui se mesure à sa validité et pas à son origine. L'autre point, je disais, c'est l'exemple de la médecine. Il y a très vite eu une polémique. Laquelle ? Aristote a dit que c'était le cœur, l'organe central qui dispatche tout. C'est lui la centrale téléphonique. Galien a dit non, c'est le cerveau. Quand vous avez les deux héritages et que Aristote dit la vérité pour ses philosophes, comment on va faire? Eh bien, vous avez la subtilité de Ibn Sina qui va dire attention, c'est comme on a fait pour la religion et les sciences profanes. Il y a le vrai et le valide. On va dire que le vrai en métaphysique, c'est l'explication et la recherche des causes. Ce sont des théories. On peut dire aujourd'hui des théories qui sont comme des béquilles. Vous vous appuyez dessus jusqu'à ce que, au moment où vous n'en avez plus besoin. Ça, c'est l'explication par les causes, parce que les explications, elles sont faillibles. Et il y a la description, l'énumération, décrire, pas expliquer. Et là, le médecin, c'est ce qu'il fait. Il a les symptômes, il a les signes, et peu lui importe de dire le cerveau, le cœur, etc. Lui, il voit ce que, dit Ibn Sina, le cœur délègue au cerveau, et il lui délègue justement le système nerveux d'action sur les organes et tout ce qui est sensorimoteur. Pour Ibn Sina, c'est véritablement ce qui est conforme aux apparences. Alors, citation que je vous mets ici. Certes, le discours philosophique est plus vrai, ce que dit Aristote sur le cardiocentrique, car il est prouvé avec subtilité. Mais le discours du médecin est plus manifeste. Je disais apparent tout à l'heure. À première vue, c'est la définition même de la rhétorique, les signes rhétoriques. En d'autres termes, le médecin ne doit s'occuper que des apparences. Il n'a pas à se demander si le cœur est à l'origine de toutes les facultés. Seul lui importe que le cerveau a la responsabilité directe de la sensation et du mouvement et le foie de la nutrition. Responsabilité directe, le cœur a délégué quelque chose au cerveau, selon Avicenne. Je vous donne cet exemple, pourquoi ? Simplement pour vous dire que la médecine va pouvoir se développer en dehors des, excusez-moi, sans que ça soit péjoratif, des élucubrations métaphysiques. Les théories métaphysiques, elles peuvent être labellisées vraies, c'est pas la question. Parce que ce qui compte, c'est l'opératoire, le commode, l'opérationnel du médecin. Et là, il faut libérer l'activité médicale des dogmes ou des analyses qui peuvent, qui parfois s'approprient un peu fortement l'explication. Et d'ailleurs, pour nous qui venons bien après tout ce monde-là, on a bien vu comment Galilée a détrôné Aristote, et il avait une très belle expression, Galilée. Il disait, si Aristote revenait parmi nous, vu que moi j'ai observé les quatre satellites de Jupiter, il dirait comme moi
que la Lune est analogue aux satellites de Jupiter. Elle tourne autour de la Terre comme les satellites autour de Jupiter. Ça n'empêche pas que la Terre elle-même tourne autour du Soleil. Il y a des mouvements secondaires, il y a des mouvements primaires. Et précisément, il aurait, par l'accumulation des observations, il m'aurait donné raison, parce que ce qui compte à chaque fois, c'est le savoir valide et non pas les constructions théoriques qui peuvent être des pis-allers qui servent un moment et qui tombent. J'en viens rapidement à mes deux exemples et je termine. Excusez-moi, c'est déjà 40 minutes, je n'en prends pas plus de, parce que je préfère presque les développer à vos, par vos questions. Le premier, c'est un exemple métaphysique, je l'ai annoncé en introduction. Le monde est-il créé? Le monde est-il éternel? On dit plus exactement ancien, qadim. Averroès, ils disent, c'est terrible, les gens ont voulu créer de l'infidélité parmi Els et Manina, en disant, oh là là, il y a des gens qui disent que le monde n'a pas été créé, d'autres qui disent qu'ils sont créés, hadouk mulhidoun. Il dit, attention, il n'y a pas d'infidélité. Il y a un effort théorique. Et il y a surtout, et là il va utiliser toute l'armature logique, il n'y a pas d'opposition extrême, el-bu'd fi mahoua dad. Alors j'explique un petit peu en logique, vous avez des propositions contraires, tous les hommes sont mortels, aucun homme n'est mortel. Vous avez des propositions contradictoires, tout homme est mortel, aucun homme n'est mortel. Vous prenez un contre-exemple. Ce sont les propositions les plus éloignées dans l'opposition. Et dit-il, le monde est créé, le monde n'est pas créé, ce n'est pas une opposition extrême. Parce que le monde, il partage avec les êtres comme nous et les plantes qui passons et disparaissons, il partage avec lui le fait qu'il est causé, et il partage avec l'agent éternel le fait qu'il n'est pas produit. Et donc le double partage, tantôt avec l'un, tantôt avec les êtres soumis à la corruption et à la génération, ce double partage fait qu'il y a de la similitude, et il n'y a pas une opposition extrême, et il dit « el-irtilef fi tesmiya ». Et je trouve que ça, c'est très très fort, c'est de retraduire les crispations théologiques et métaphysiques en questions linguistiques, ce qu'avait fait déjà Al-Kindi pour Najm al-Shajalus Judan. Et l'autre exemple, c'est un exemple également de tesmiya, de lever des crampes mentales par une analyse linguistique. C'est un exemple de Ibn Khaldoun. Il dit, le mot calife très vite s'est révélé incommode parce que quand le prophète est mort, il y a eu Abu Bakr. On a dit Khalifat Rasulullah. Très bien. Mais Omar, comment on va l'appeler? Khalifat, Khalifat Rasulullah. Et puis Uthman, comment on va l'appeler? Khalifat, Khalifat. Il a dit, c'est pas possible. Imaginez aujourd'hui comment vous commencez la phrase, vous la terminez une fois que vous serez mort. C'est pas possible. Alors il dit, c'est un titre qui est incommode et il faut lui substituer Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants. Parce que vous n'avez pas cette silsila de cette façon. Et puis quand vous dites Amir al-Mu'minin, vous intégrez tous les croyants, al-Mu'minin, hein, qu'il soit de la religion musulmane ou pas de la religion musulmane. Et vous voyez comment un mot peut, une analyse linguistique peut complètement changer les choses. J'essaie juste de vous donner beaucoup de choses sur lesquelles je suis passé. Voilà, sur Khalif, Ibn Khaldoun. Mais on trouva que ce titre, Khalif, était incommode à cause de sa longueur et de ses nombreux compléments de noms. On est dans la langue, on est dans l'analyse linguistique. Ceci, avec le temps, devait sans cesse augmenter. Le titre devenait imprononçable et incompréhensible. Aussi a-t-on dû y renoncer et choisir un autre titre plus approprié. Et c'est le commandeur des croyants qui s'est imposé. C'est une très, très belle analyse d'Ibn Khaldoun à ce sujet. En conclusion, vraiment, trois points sur lesquels je voudrais mettre l'accent avec vous et qui sont juste des flashs par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Le premier flash, c'est que quand on évoque l'humanisme, on pense toujours à la Renaissance européenne, mais il y a des humanismes et précisément toute la promotion des sciences profanes et toute cette sécularisation du savoir qui a été promue par ces philosophes et participe pleinement de ce qu'on peut appeler, oui, les lumières
arabo-musulmane, ça vous explique pourquoi je n'aime pas le Coran l'Ousta, mais je préfère le mot classique de ce point de vue-là. Second élément sur lequel je voudrais insister, c'est que dans la charia, vous l'entendez aujourd'hui, on a l'impression qu'elle n'a pas bougé, qu'elle est frappée d'une immunité intrinsèque, que depuis les premiers temps à maintenant, c'est la charia. Les journalistes occidentaux disent la charia, ils ont appliqué la charia en Afghanistan. La charia, comme si le mot renvoyait à des choses qui datent d'il y a 15 siècles. Mais c'est une supercherie, c'est une falsification de l'histoire épouvantable. Parce que d'abord, il y a eu 4 écoles juridiques très vite, vous les connaissez, je ne vais pas les reciter ici, dès le 8e, 9e siècle, et nous, dans le monde arabo-musulman, maghrébin, je veux dire, pardon, on est dans le malikisme, eh bien, chafirisme, hanbalisme, etc., et hanifisme. Donc, il y a eu de la controverse juridique très tôt. Il y a eu des lois qui ont été tout le temps inspirées des textes sacrés, mais non pas enfermées dans le texte sacré. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que je refusais l'incarcération du sens dans les textes. Et je termine par un mot dans Kitab al-Milla d'Al-Farabi. Il parle de la succession des législateurs. Si lui succède, donc le premier législateur, il l'appelle Ra'is al-Awwal. Ra'is, pas au sens de contemporain aujourd'hui, c'est le premier chef. Ainsi, si lui succède après son décès, le décès de ce Ra'is al-Awwal, un homme semblable à lui à tous égards, donc il a les mêmes compétences pour faire les lois, mais vous pouvez prendre une personne morale, c'est le Parlement, etc. C'est ce successeur qui règle ce que le premier n'avait pas réglé. Ça veut dire que tout n'était pas donné dans le premier. C'est ce successeur qui règle ce que le premier n'avait pas réglé. Et les choses ne s'arrêtent pas là, dit le Farabi, au Xe siècle, déjà 3 siècles séparés de l'avènement de la religion. Et les choses ne s'arrêtent pas là, mais il a aussi licence, c'est-à-dire permission, d'altérer, de changer, bien des choses légiférées par le premier, oui, et de les régler selon un autre règlement, s'il sait que ce dernier est le plus concret de son temps, le dernier règlement. 2021. Non pas parce que le premier se serait trompé, non, le premier ne s'est pas trompé, mais parce que le premier les avait réglementés d'après ce qui était le plus concret en son temps. Et je reviens à l'illusion rétrospective, le passé fut un présent. C'est tout bête comme phrase, s'il y a à retenir juste une phrase de tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est cela. Non pas parce que le premier se serait trompé, mais parce que le premier les avait réglementés d'après ce qui était le plus concret en son temps, qu'il les règle d'après ce qui est le plus concret après son temps, et que cela relève de ce dont, si le premier en avait été témoin, si le premier revenait parmi nous, il l'aurait altéré aussi. Si le premier revenait parmi nous, ben vous faites bien, parce que vous vous adaptez à votre temps. J'espère m'être à peu près adapté au temps qui m'est imparti. Merci. Merci, merci beaucoup Ali pour cette brillante conférence. Ça m'a rappelé quelque chose. D'ailleurs, quand j'étais au lycée, on nous incitait à toujours distinguer entre la forme et le fond. Quel que soit le texte, le discours, il y a la forme et il y a le fond. Parfois d'ailleurs, il y a le fond, mais il n'y a pas la forme. Ou pire encore, il y a la forme, mais il n'y a aucun fond. Mais avec cette conférence, on a eu les deux. On a eu un fond passionnant et on a eu une très belle forme, parce que le professeur Ben Makhlouf, vous l'avez constaté pour ceux qui ne le connaissent pas, a une diction digne du conservatoire de théâtre. Je le soupçonne d'ailleurs d'avoir fait le conservatoire de théâtre avant son agrégation de philosophie. Et il a aussi ce qu'on appelle une voix de radio, et ce n'est pas mon ami Hafedi qui me contredira. Ce qui a rendu en fait cette conférence aussi persuasive pour Ahl al-Burhan, les gens de la démonstration sur le fond, que pour Ahl al-Balagha, les gens de la rhétorique. Tu as convaincu tout le monde, mon cher Ali. Alors, parmi tous les messages que le professeur Ben Makhlouf a fait passer, et il y en a plusieurs, hein, il y en a un qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment l'esprit de la semaine de la science, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Je dirais, n'ayons pas peur de l'hikma, n'ayons pas peur de philosopher, osons penser. Comment ça se dit en latin? Sapere aude, c'est ça? Sapere aude,
osons penser. C'est l'un de tes messages. Je ne crois pas te trahir. Alors, nous n'avons plus malheureusement que 15 minutes, c'est très strict, pour les questions. Ça, tu chronomètres, tu me diras, au bout de 15 minutes, merci. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, qu'elles soient très courtes, par courtoisie, les uns pour les autres, nous n'avons que 15 minutes. Alors, qui veut se lancer, qui veut poser la première question au professeur Ben Mahlouf? Je pense qu'il y a des micros qui se baladent par-ci, par-là. Alors, qui c'est qui a levé la main le premier? C'est ce jeune homme. Alors, une question très courte, hein. Merci. Il marche pas sur lui. Tiens. Tu veux répondre question après question? Oui, tu fais comme tu dis. Ça oui, peut-être, oui. Tout d'abord, merci beaucoup, monsieur, pour cette très, très bonne présentation. La question, je reviens sur le point de, on va dire, où on discute la séparation entre les sciences physiques et les sciences mathématiques, par exemple, et la philosophie et l'idéologie. En fait, il est classique ou il est connu que, par exemple, si je suis, par exemple, un physicien et que je découvre, par exemple, les lois de la physique et je fais, par exemple, de la cosmologie, je ne vais pas accepter, par exemple, quelqu'un qui fait de l'idéologie, par exemple, ou qui fait de l'interprétation des textes coraniques, par exemple, venir et me dire « voilà la vérité » et ne chercher pas beaucoup. Et en fait... Moi, personnellement, je suis triste lorsque je vois que, en fait, aujourd'hui, la philosophie de l'existentiel, elle est séparée des sciences physiques. Ça, c'est correct dans les pratiques. Donc, par exemple, il ne faut pas que l'un des deux arrête l'autre dans ce qu'il fait. Mais à un certain moment, on doit discuter, par exemple, prendre les points et les résultats de l'idéologie et les comparer avec les points ou les résultats de la cosmologie. Par exemple, si la question de est-ce que le monde il est créé à un certain moment ou il est éternel, il est discuté que dans l'idéologie, il reste incomplet ou on va pas arriver à une réponse qui est bien fondée si on le compare pas avec les données, on va dire, de la cosmologie. Et aujourd'hui, nous faisons pas ça. C'est une excellente question, mais je pense qu'elle est claire maintenant. Je pense qu'on l'a compris. Merci. Oui, excellente question. Une réponse très rapide. Quand on se place on se place très souvent pour la philosophie dans tout ce qui est postérieur au XVIIIe siècle, où le divorce a été consommé entre la philosophie et les sciences. Moi, je me suis placé dans un contexte où la philosophie n'était pas séparée des sciences du tout. Donc ça, c'est un enjeu très, très important. Et elle n'a pas été séparée des sciences très tardivement, jusqu'à Pascal, bien évidemment, jusqu'à Descartes, la loi du sinus, jusqu'à Pascal, etc., les expériences qu'il a faites pour le vide. Donc, si vous voulez, c'est en philosophie, nous, on date du XVIIIe siècle, Kant, qui a dit, et ça, c'est très intéressant par rapport aux exemples cosmologiques que vous avez donnés, qui a dit que la métaphysique jusqu'à présent, elle a piétiné et que les sciences ont avancé, il est temps de les séparer. Or, maintenant, il y a tout un courant de métaphysique descriptive et non pas spéculative, qui reprend et qui répond en partie à vos attentes, qui reprend complètement les résultats des sciences physiques. L'or, ce n'est pas le fer. Il y a des distinctions essentielles entre différents éléments, et ces distinctions essentielles, c'est ce dont la métaphysique a longtemps parlé. Et on a maintenant, pour la distinguer de la métaphysique qui piétine, une métaphysique descriptive, pas explicative. Vous avez vu la différence que j'ai faite entre expliquer et décrire. Donc ce sont des choses qui reviennent au premier plan. Et puis, avec la relativité générale, on est vraiment bien après Kant, le cosmos, l'univers, est redevenu
au premier plan des sciences, alors que pour Kant, c'est une de ses caractères un peu obsolètes de chasser les hypothèses cosmologiques de la science. Il dit, mais non, on va faire juste de la physique, certes unifiée avec la physique céleste, mais on ne va pas parler des hypothèses cosmologiques. La relativité générale avec l'expansion de l'univers le contredit pleinement, et l'univers, pas seulement pour des questions climatiques, mais l'univers en science, depuis le début du XXe siècle, est redevenu digne d'intérêt scientifique. Et puis, la philosophie se réarrime, se regreffe de nouveau sur ce patrimoine qui fut le sien pendant très longtemps, pendant 20 siècles, de Platon à Pascal, si je fais très très vite, comprenant tous ces philosophes qui furent médecin, logicien, philosophe. Et la philosophie, je l'ai donnée rapidement en définition, la science des choses en leur vérité. C'est ça la philosophie, la science des choses en leur vérité. Il n'y a aucun divorce entre philosophie et science. Ne prenez pas le court terme des programmes scolaires qui fait que la philosophie est rangée avec la littérature. C'est une calamité institutionnelle, mais non pas une calamité de la pensée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc en fait, ma question porte sur un système de pensée universel. Je ne vous vois pas. Ah, monsieur. Oui, oui. Donc en fait, au début du XXe siècle, un mathématicien nommé David Hilbert a essayé de créer un système d'axiomes infaillible qui permettra de démontrer tout. Et ce rêve a malheureusement été détruit par le jeune logicien à l'époque, Alan Turing, Kurt Gödel, qui a montré qu'un tel système d'axiomes infaillibles ne peut pas exister dans la logique mathématique. Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable d'essayer de créer un tel système de pensée, c'est-à-dire de codifier la pensée et de créer un système d'axiomes infaillible dans la pensée pour essayer d'unifier la pensée universelle? Non, je crois, peu importe ce que je crois, mais le résultat de Gödel, qui est très important, c'est qu'il y a des théories vraies et il y a une distinction entre le vrai et le démontrable, très très important. Il y a des théories vraies, mais qui ne sont pas pour autant démontrables. C'est ça le grand apport de Gödel. Le besoin d'infaillibilité est un besoin religieux. Les certitudes religieuses, il faut les contrebalancer au sens anglo-saxon du terme, avec les incertitudes scientifiques. La science n'avance qu'avec des incertitudes, mais les incertitudes sont en proportion de la précision. Il y a un mot catastrophique qui a toujours été associé à précis, c'est certain. Certain et précis, mais non, soyez précis sans être certain. Quand vous dites « il fait chaud dans cette salle », il fait 24 degrés, il fait chaud dans cette salle, c'est une certitude, il fait bon, il fait chaud, c'est une certitude. Quand vous allez préciser, il fait 24,2, 24,1, 24,18, 24,32, 23,99, vous avez perdu la certitude, mais vous êtes dans la précision. Et la science avance par approximation et précision, elle n'a que faire de la certitude. Donc l'infaillibilité, c'est pas l'horizon de la science. Merci. Merci Ali. Encore une question par là-bas ? Donc tout d'abord, je veux vous remercier pour votre présentation. Je ne vous vois pas, pardon. Ah oui. Voilà. Oui. Et je veux poser une question à propos d'un point que vous venez d'aborder dans votre présentation. Vous avez cité que Sharia est susceptible à subir certains changements, mais tout en restant inspiré des points qui sont fixes dans la religion. Donc je voulais juste vous demander si vous pouvez nous parler jusqu'à quel point le monde arabe est prêt à accepter ces changements que Sharia peut subir. Je sais bien que le point est un peu hors sujet traité, mais non, madame, je voulais vraiment savoir. Vous êtes tout à fait dans le sujet et il n'y a pas de question hors de propos. À propos ou hors de propos, tout est à propos.
Je ne suis pas un acteur politique. Ce que le monde arabo-musulman peut accepter ou ne pas accepter, moi je parle du point de vue de l'analyse, je produis des analyses. Si j'étais parlementaire et si j'étais acteur politique, je pourrais vous dire que j'ai rencontré telle délégation en Égypte, etc., et qu'ils sont prêts à cela ou ils ne sont pas prêts à cela. Au niveau de l'analyse, je peux juste vous dire que quand on regarde les textes et quand on voit l'historique de la charia, elle a un historique, elle n'est pas fixée. Et mon collègue de Colombia, Wa'il Hallaq, il a produit 5 ouvrages sur la charia, et dont un est téléchargeable sur Internet, je vous le conseille vivement, en anglais. Wa'il Hallaq. Wa'il Hallaq, eh bien, Wa'il Hallaq, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la charia a été rendue obsolète comme une loi figée par les colons qui ont colonisé l'Algérie en 1830, en disant « Votre loi musulmane ne vaut rien, elle ne se modifie pas ». Ils n'avaient pas accès à la langue arabe, et pour lui substituer le code napoléonien et les lois françaises, ils l'ont déclaré hors de propos et totalement obsolète. Et quelque chose qui n'a pas changé. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui, des Européens reprennent cette même phrase. La charia n'a pas changé. Mais c'était un discours colonialiste produit en 1830. Mais nous qui sommes dans la culture jurisprudentielle de la charia, on peut produire tout l'historique de cette charia que fait très très bien, par exemple, Wa'il Hallaq dans cet ouvrage. Et je vous donne juste un exemple qui fait le lien avec ce que j'ai pu dire. Ibn Rushd, il était qadi et qadi al-qudat. Il rendait justice. Et tout était très réglementé. Tout le monde ne pouvait pas, comme aujourd'hui, vous envoyer un YouTube de 2 minutes en vous disant « j'ai interprété le Coran ». Pas du tout. Il y a des règles. Lui, il est dans le madahib de l'école malikite. Donc, quand on est dans les madahib d'une école, on suit les écoles. Mais pour certains qui arrivent à avoir une grande expérience, khibra ou rasikhuna fil ilm, comme dit si bien le Coran, cela, il peut faire un ta'wil qui les rend capables de revenir au texte sacré et de ne pas prendre juste les madahib de leur école. Et c'est ce qu'il fait quand il interprète directement les textes coraniques. Mais c'est donné à très peu aux fuqaha qui peuvent transcender les principes de leur école pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, je réponds un peu à votre question, c'est qu'il faut être juge avec une très belle expérience, et pour pouvoir faire ce que l'on appelle une fatwa, un avis consultatif qui n'a rien à voir avec la fatwa depuis le sens qu'elle a pris par Khomeini depuis qu'il a lancé une fatwa contre Salman Rushdie. La fatwa n'a pas un pouvoir de décision. La fatwa, c'est un avis consultatif. Quand le juge doit vite rendre justice, il va voir un mufti qui, lui, retrace la complexité des cas, parce que lui, il a une expertise. C'est très modestement ce que nous, au Comité consultatif national d'éthique, a cité tout à l'heure M. Laroui, nous faisons pour les députés de l'Assemblée nationale en France. Moi, j'ai rendu 3 avis qui ont après été mixé par les députés pour faire des lois sur le don d'organes, sur l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et sur la neuroamélioration pour personnes non malades, c'est-à-dire l'usage des psychostimulants. Donc, nous, on se réunit, bon, chaque avis, pour vous donner une idée, on est un groupe de 10, et on est 2 rapporteurs, moi et un néphrologue, moi et un neurologue à chaque fois, pour les 3 que j'ai cités, et c'est 60 heures de travail présentiel, et pour rendre un avis que les députés vont peut-être lire ou pas lire. Donc, si vous voulez, quand vous dites le monde arabe prêt, c'est pas comme ça. Moi, je vois juste à mon petit niveau d'une petite sous-partie d'une loi relative à la santé, ce qu'il faut comme expertise et comme travail, et c'est très bien ainsi. Merci, Ali. Alors, je vois ici une main dressée. Est-ce qu'on peut donner le micro à mademoiselle ?
Alors, bonsoir, monsieur. Tout d'abord, merci pour votre conférence. Alors, j'ai une question, mais ça va être plus global, parce que j'ai assisté à toutes les conférences de cette journée, et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, pour faire le lien entre toutes ces choses-là, je veux poser la question sur la philosophie d'aujourd'hui, parce que je pense que la philosophie maghrébine ou bien arabe, en ce moment, il s'éloigne de l'islam, il s'éloigne de charia, comme vous avez dit. On ne trouve pas des philosophes qui discutent ces idées ont une objectivité, comme Ibn Rushd, par exemple, ou la Farabi, ou la Kindi. C'est surtout c'est des extrémistes. Si on trouve des extrémistes à gauche ou bien des extrémistes à droite. Donc, je ne trouve pas cette balance qu'on la touche dans la philosophie dans cette, de Ibn Khaldoun que vous avez parlé. Merci. Alors, je vous réponds parce que bien que j'exerce en France et maintenant aux États-Unis, je suis tout le temps en contact avec mes collègues. Je peux vous dire qu'il faut un travail remarquable et je me permets de les citer. Monsieur Fouad Mahrou Hafez, Monsieur Ahmed Al-Alami à Knitra, Monsieur Shigr à Rabat, Monsieur Aziz Qmichou à Rabat, ils font un travail remarquable. Ils transmettent pleinement la philosophie, ils la traduisent, ils connaissent les langues. Ils ont simplement, et je reprends leurs mots, un problème de connexion, parce que la recherche demande à ce que l'on soit connecté. Et permettez-moi une petite anecdote de ce point de vue-là. Un philosophe sur lequel j'ai beaucoup travaillé, Wittgenstein, il disait que la culture, c'est une question d'oxygène. Et lui n'aimait pas Cambridge, il disait « Fuyez Cambridge, ici, il n'y a pas d'oxygène. » Et l'oxygène, ben, comme vous le savez, ça se partage. C'est ni vous ni moi qui le produisons. Et il a ajouté, dans un geste d'ironie, on lui disait « Mais vous êtes bien à Cambridge ?» Il disait « Oui, mais moi, je produis mon propre oxygène. » Alors, je pense pas qu'on soit nombreux à pouvoir produire notre propre oxygène et l'idée de la stimulation, etc. Maintenant, vous, aussi bien que la première question, avez prononcé le mot d'idéologie, on peut la prendre en très mauvaise part, cette expression, comme vous l'avez si bien dit, et je le dis à ceux qui ne vous ont pas vu, les extrêmes, et vous avez fait un mouvement de droite et de gauche, etc. Mais l'idéologie, c'est aussi comment une société se représente. Vous pouvez le prendre en un sens positif. Il y a eu tout un mouvement marxiste pour dire que l'idéologie, c'est une manière d'avoir un rapport faussé à la réalité. Mais il n'y a pas que ça dans le mot idéologie. Il y a aussi une expression positive. Et je vous invite à lire les travaux de Louis Dumont, qui a expliqué que nous avons tous une intrication, un enchevêtrement entre la factualité et les valeurs qu'on peut appeler idéologie. Vous représentez le monde d'une certaine façon et vous en avez une idéologie. Donc peut-être qu'il y a sur le mot idéologie deux sens à faire, en tous les cas au sens péjoratif que vous avez développé et qui a été également indiqué dans la première question, je peux vous assurer que mes collègues ne font pas ce travail-là dans les milieux académiques marocains. Alors la toute dernière question vient de loin, du cœur de notre Sahara marocain, puisque la dernière question te vient de l'Aïoun. Oui. Elle va être lue par un expert de la transmission. Vas-y. Donc en fait, oui, donc c'est une question qui vient de l'Aïoun. Qui nous suit depuis ce matin. Donc la question, c'est si l'on considère que l'hikma est basé sur le couple vérité-vertu, est-ce qu'on peut considérer que la philosophie est un art de vivre ? Merci, c'est une excellente question. La philosophie est un art de vivre, d'autant plus art de vivre que dans art de vivre, il y a vivre, et qu'elle a toujours pris la médecine comme horizon et paradigme et schem et mathel. Et art de vivre et vertu, c'est Maïmonide, que bien évidemment moi je considère comme un philosophe arabe, parce que ma définition de la philosophie arabe, pardon, je ne l'ai pas donnée, c'est la philosophie écrite en langue arabe,
puisque Avicenne n'était pas arabe mais persan, Al-Farabi n'était pas arabe mais turc. Ils ont tous écrit en arabe et Maïmonide a écrit en arabe. Il a été formé à Cordoue, à Fès, et puis il a terminé ses jours à Foustat, près du Caire. Et bien, Maïmonide disait que, justement, des deux âme et corps, quel est le plus fragile, c'est le corps. Donc, il faut avoir un grand soin du corps. Et quand vous avez un grand soin du corps par les équilibres humoraux, parce que c'est toute une question d'humeur dans cette médecine héritée de Galien, eh bien, quand vous arrivez à un équilibre humoral, vous êtes sur le chemin de la vertu, je reprends le terme de la question, et il va plus loin, c'est une forme de culte à Dieu, par l'amour de, parce que vous êtes disponible pour l'amour de Dieu en raison de la santé de laquelle vous vous êtes occupé pour votre corps. Et si la philosophie permet tout ça, ma foi, elle est vraiment une hikmah, oui. Merci, merci professeur Ben Makhlou. Je pense qu'on peut applaudir le professeur Ben Makhlou. Merci. Alors, cette conférence clôt la première journée de la semaine de la science, lundi 1er novembre. Et donc, on va aller jusqu'à samedi, peut-être même jusqu'à dimanche. En tout cas, on aura tous les jours, d'ici vendredi, des conférences, des ateliers, des expérimentations, des inaugurations. Donc, je vous remercie à tous d'être venus. Je remercie nos hôtes distingués de nous avoir fait l'honneur de nous rendre visite aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous à demain. Merci à tous.